guitare va commencer là. T'allez là, coup de guitare va commencer. On va avoir un coup de guitare. Rête là. Fais bon pour t'y chauffer qu'on y a. Et bon pour t'y chauffer. Assez gothi. Go camarade qui dit au bar, bon pour chauffer. Et bon lui au camarade pour lui. Camarade là dit un bagage qui attire attention. Moi-même, bah, j'ai un problème avec moi, mais camarade là dit un bagage. Et Kirby, Jean-Baptiste, dit moi, j'aime en pile live à Feyo, oui, ou j'ai en pile connaissance, mais ou dit trop bêtises, c'est ça que fait moi, par exemple, sur vos corps. Kirby, Jean-Baptiste, non, coco, maman. Kirby, Jean-Baptiste, boule, non, guette, maman. Abin dit, me dit trop bêtises. Coco, maman, bonjour, fait là. En fond, balab là. Ou sans honte ou abriti. Nan get maman. Soti en balay mwen. Mbadi nou la mwen va fait pour aliener. Ou abri di ne trop bêtise. Ou la get ou ge compétence. Get the fuck are you. Koko maman ou gevi. Gevi j'en bay. Boul koko maman ou kwa gevi. Mbadi nou suspend kaka kalambe nou yo. Mbadi nou devi en balay mwen. Ou range moun da nou devi nou vi nan balay mwen. Elle a wazem fucking kede son pensé. Ou a vin dim ge connaissance, ou gan pile compétence, ou dit toi, coco maman, gabi. I don't give a fuck about you. M'ba le ou coco, ou a vin dim ge connaissance. Boulan get maman, gabi. Soti en balab la. M'be nou em get vin perdi temps avec nous, la vin radote en balab mwen. Em sa, sa m'de, de haïtien. Get the fuck out of you, gabi. Boulan get maman. Encore, il va mal faire que t'es, nous, qu'on fait. Ou a vin radote en balab mwen. Oh oui, ou gen compétence, c'est ça, faut pas suivre. Sauf vin chercher la salope. Coco maman, encore, gabi. Eh, la doté en balay, mais quand on pense au cabinet précieux, on dit ma vie, on dit pas d'autre, dit trop bêtise. Boulan, get maman encore, Gabi. Ah, on fait caca. Eh, on a doté en balay, on a une bêtise. Eh, coco maman, Gabi. Eh, on a doté. Ma dis nous, si conformis coco maman, ça va quitter pour coco maman, nous. Eh, nous, t'es pas la vague là. Eh, t'es nous vague là. Ah, mais non, bah, là, ma vindo dit trop bêtise, ou gué compé. Libre, c'est pas l'impressionné. La vindo, oui, ou gué compétence, oui. Mon cher, m'te qu'on suive là, ou yo. Monsieur, si c'est là, mais qu'on y a, hein. Mon vieux, maman. Ah, retire coco, maman, bah, là, là. Ah, oui. Libre, c'est pas l'impressionné. Ah, là, t'es caca, cacou. On est un petit caca, cacou, non, pays sous-développé. Ou ap caca, ou ap manger dans caca, ou ap péter dans caca. Ou non, d'alvier politicien, Joel Bok, qui est, qui a fait caca, ou manger l'argent dans figure, ou craser le bagage. Ou là, parce qu'on a vu une femme, ou qu'on a vu une bombe, ou qu'on a vu une femme, la morale. Boulan, guette coco, maman, dobi. Ah, la caca. T'es un chauffeur dans le monde, dobi. Ah, elle est tombée sous tête. Bobot, maman, gabi. Ah, normal, pauvre, tu sais. Ah, la caca. Quand y'a un bat, nous, qu'elle est attendue. Qu'elle est dans le monde, nous, tu sais. Moi, je dis, nous, on n'a pas besoin de 6 k, on n'a pas besoin de 20 k, on n'a pas besoin de 30 k, on n'a pas besoin de 40 k, on n'a pas besoin de 4, on n'a pas besoin de 20 k. À l'côté, y'a aliéné, nous, y'a qui est venu dans le zombie. On n'a pas besoin de nous. Là, je n'ai pas fait pour zombie, là, je n'ai pas fait pour aliéné. On dit, nous, on a déjà eu. Là, je n'ai pas fait pour zombie, ni t'y conformiste, coco, maman, t'y pantalon serré, j'ai le point, t'y cap parler français, cap propos, zizi, ceci, ceci. Là, je n'ai pas fait pour yo. Calambe, on va venir adopter, on va là, coco, maman, encore. Elle met mou da, on côté. Où est le problème? Où est la? Là, on va faire pour. Coco, maman, encore. Ah, bon, où ça, on t'en est? Bon, j'en viens chercher un balai, moi. Boulan, guette, maman, encore. Ah, on va faire ma caca. Ah, on va venir impressionner. Fuck, allez. Caca. M'a dit nous, même pas, nous régler un mètre pour moi. On t'a calambé, nous fait combien? Nous fait 200 ans salope, puis n'a mangé caca, n'a mangé misère. Hein, nous fait 200 ans. Un grand pays, tout pays a développé, nous même n'a fait bac dans charonge, n'a crevé petit monde, n'a fait kidnapping, n'a connu, n'a fait massissi, n'a fait bousin, n'a fait salope, n'a pris coco, nous tout en haut, en bas, n'a fait charonge, n'a pointé monde à nous pour nous prendre, bah, n'a doum, qu'on a vu une proposition. Qu'on la guette, maman, guette, y a tout coco, maman, encore. On a adoté dans figu, monde. Ah, on a haïtien qui a vu une bague, monde, qui a vu une femme morale. Qui est-ce dans Haïti qui a vu une femme morale? Bon, même prêtre l'église pas qu'à faire moral. Même prêtre l'église pas qu'à faire moral. Cap pété coco, timounio. Cap coupé timounio. Coco, maman, tout prêtre. Même pasteur pas qu'à faire moral. Ah, venez, qu'on a. Si caca, qu'un coup, on va venir en bas là, on va venir faire moral. Qui est-ce qu'à l'ambé qui en a dit qu'à faire moral? Ah,
On a dit mal propre, t'es chit à cause d'un pays. N'a fait charon, charon, j'ai fait calambert, gratté sentiment de ton pays, grillé barbote, nous co-intime moun, crève moun dans malheureuse, et kidnapping, y'a les âmes, et péché moun vivre, péché moun fonctionner bien, qu'on a une propre, qu'on a une fait moral. Get moun encore, gabi. Ah, là, y'a saloperie. Non, nous a doté dans vigui moun. Mali nous n'avons pas prêt pour faire moral moun. Moun qui fait moral, moun, des moun qui fait baser, moun qui fait grand bagage. Combien avions nous fait déjà? Avions fait moral, moun. Combien avions nous fait pour moun voyager déjà? Bonne salope. Nous, n'a boule cabra toujours, bonne sorti caca. N'a boule cabra toujours, nous n'a pote chai sous dos toujours. Avions parlé caca dans figui moun. Qui ça nous fait pour nous mériter respect? Pour moun ba nous respect? Ça nous vous fait, bonne guette maman nous. Et bah, ça on a fait dans le pays d'Haïti. Qui ça nous vous fait? Un salope, bonne folie moraliste. Moraliste dans coco maman nous. Qui ça nous fait en Haïti? Gratter senti, tirer président, assassiner moun, bay moun cartouche, fusiller malheureuse, rendre moun la vie malheureuse impossible, fusiller moun, on dal groupe moun qui met l'argent pays, nous pas à manger, craser l'argent Petro-Caribé, là craser l'argent coopérative, craser l'argent série RH, et puis al voter calambert, rele vivre les abats, boule caoutchouc, fusiller moun, faire massici, coin bouzé, faire craigne, faire languette, et puis n'a pas fait moral. Qu'on a guette maman, caca. Elle est moral. Qui est-ce que nous calambette avec moun moral? Même pasteur contribue, même pasteur, n'a assassiné président. Coco, maman, nous encore. Bah, moun coup de poudre, voler le gaou, roule dans le cafou, roule dans le coin caïmoun, mette pièces pour moun, fait lever zombie moun, vend moun nan diable, fait caca, voler champrel. Qui ça nous fait, bonne colonne, guette, maman, nous? Là, vous nous adoptez dans figu moun, vous faites moun moraliste. Coco, maman, encore ça, alors. Moral. Bon, t'as pas l'âge pour moi, mon en Haïti. Bon, qui est-ce en Haïti qui a une femme morale? Qui calambe en Haïti qui a une femme morale? Bon, moi, m'd'a remis ouais ça. Qui est-ce calambe qui pense qu'il a une femme morale en Haïti? Pour faire mon moral, vous avez un doigt, vous avez là. Pour venir faire moral, vous avez un doigt. Vous avez un doigt, vous avez un doigt, vous avez un doigt, mais c'est la façon où t'es qu'à faire moral, vous avez d'accord. Si m'te voyager Haïti, m'te voyager nous faire avion. Ok, m'dap d'accord faire moral. Qu'on aurait le droit de dire, oh, monsieur, si vous dites bêtise, pas monter avion. Oui, m'dap d'accord. Si m'te voyager Haïti, m'wè nous faire machine. M'wè gen gros industrie machine. Hein? Qu'on y a m'dap dit, ok, pas de problème. M'bap di bêtise, ok, j'aurai les bêtises dans m'bap dil, pour m'ka rentrer dans machine, dans gros machine ou ap fè yo. Si m'te voyage ma Haïti, mou wè gen gros l'hôpital, mou wè gen gros l'hôpital, ok, m'da koné m'ap entre dans l'hôpital sérieux, kote y'a pren soin moun de bien, koné y'a lè m'entre dans dedans, m'ta comporte, m'ta di, ok, m'pa besoin di bêtise, parce que gen moun ka pren soin moun de bien, moun sérieux. Hein, moun de bien, moun sérieux. Hein, normal. Si vous arrivez au côté de la sécurité, la police là, la sécurité, des routes, mon ap marché bien dans la rue, pas de problème, pas de ceci, c'est pas de problème, non. Je bloque Bouddha, Kebi, Kalambe, bloque Coco, Kebi a vu une radote en bas, je dis, je bloque Blanquette. Ah, une bonne chance pour parler, qu'on y a pensé, où est-ce que vous officiel? Bloque dans mon doc, Kebi. Yon de Mouens. Pas de nous, pas besoin de nous en bas, bon Coco. Ni nous, pas besoin de nous en bas, Alan Balag Dimitri, Alan Balag Reginald Boulos, cap coin nous, cap crevé nous, cap pété coco nous, allez en balag yo, pas venir en balag moi. On dit nous Alan Balag Dimitri, Alan Balag André Michel, Alan Balag Timon de Fokker ça yo, nèg n'a voté yo, nèg n'a prélé vivio, Alan Balag yo. Là moi on va faire pour nous. Alan Balag nous parle pour nous, on dal bouzin nous, il fait caca. Al Balag Dimitri coin nous, bay milati au Lebanon yo crevé mouda nous, bay limilati al junior, pas venir mettre mouda moun de bien là, esprit de bon balag. Aime geta pour nous. Avenu nous avons une proposition nous voulons pour faire moral nous n'avons pas faire moral là gain moral en Haïti salope et ben nous pas contre cette moral et nous pas contre cette moral al jeune carte nous pas contre moral en cette moral n'a mon on paye à patauger dans l'immoralité sont dans la morale nous qu'on a fait mon moral
Nous sommes toujours prêts pour nous faire mon moral. C'est même genre, oui, en Haïti. C'est comme ça, oui. Calamé a mangé petit tout. Li fin tiye petit tout. Hein? Li fin tiye petit tout. La mange petit là. Li nan kati a la mange petit. Et puis Calamé a vin koto encore qui vin de ou pren courage. Hein? Calamé a mangé petit tout. Li mange petit tout. Li pral leve zombie petit tout. Li même encore vin passe maintenant kou guidou ou pren courage, ma koumè. Ou pas besoin de décourager. Bon Dieu capable. Li vin faire moral ou. John Bok qui a vint faire moral. Li même qui mange petit tout. Ah la kou, kou t'a perdu ton noir ici. Pas mettre grand monde sous nous pour nous dire la mode de fuck ça. Hein? Pas mettre grand monde pour nous dire la mode de fuck ça. Chita la France. Na je veux dire nous haïtien son nation qui gagne messe. Vous vous entendez? Haïtien c'est bête, c'est nation sous terre qui plus messe, plus vis. Haïtien, si tout tu n'est pas avec nous. Yo gagne messe, yo gagne vis. Faut veiller nous avec Alambéa. Y a prié avant y a mettre poison dans manger vous. Y a prié avant y a foutu coup de poudre pendant chita. Y a prié avant y a plein de pièces pour. Y a prié avant y a mangé petit tout en dedans là. Y a prié avant li gen gros vin pour t'être passer dans retour. La prié avant li gen gros vin pour t'être pas parti. La prié haïtien c'est dans calambe oui. Perdit ton noir caca ça. Dans la bin di mo oui a moral. Qui calambe ka vin faire moral moi? Qui calambe en Haïti ka vin faire moral moi? Get the fuck carré. Elle n'a vint pas l'im de paste. Qui paste? Qui paste qui prophète en Haïti qui a vint fait moral mouen? Qui paste qui prophète qui ougan? Qui prête en de dans pays d'Haïti? Peut-être faut y parler avec nous. Peut-être nous pas comprendre ça, ça veut dire. Quand vous avez affaire, bon, faut y parler avec les zizu, les prétentieux. Le corollaire de la liberté, c'est la responsabilité. On est libre tant qu'on est responsable. Parce qu'on n'a pas qu'à jouir de privilège de liberté si on n'est pas responsable. La responsabilité, les confier au leader, à moun ou elle est l'élite. Yon élite, c'est un monde qui a des ressources dans même. C'est ça qu'on est élite dans une société. C'est monde qui concentre un maximum de ressources dans même. Elle décide pour faire distribution. Pour prendre des décisions pour comment la distribuer. C'est ça fait parler de élite politique, élite économique. Élite économique, c'est élite qui, en quelque sorte, concentre l'ensemble des ressources économiques dans le pays. Maintenant, au détriment, bien entendu, d'un masse monde qui va gagner accès avec ressources économiques. Ça. Maintenant, il est de la responsabilité de cette élite économique pour manager, pour gérer économiquement de façon efficace ressources ça pour éviter à ce que majorité a pas souffrir grand goût. C'est la responsabilité de l'élite économique, c'est-à-dire à travers les décisions économiques que les dirigeants secteur économique la prend, li doit make sure que décision ça aller en harmonie pour maintenir la cohésion sociale à l'intérieur de la société, c'est-à-dire que éviter à ce que gagner donc déficit social côté que gagne monde qui pas manger qui pas boire, ça c'est responsabilité de l'élite économique. C'est pour ça qu'on parle de politique économique. La politique économique de l'État vise à orienter économiquement le pays, définir les grandes lignes économiques et faire en sorte que ni politique économique là en quelque sorte l'État intervenu pour corriger les toute irrégularité qui gagne en dedans marché économique là. Ça c'est l'ordre logique, c'est l'ordre logique de économie libérale. Le marché est libre, le marché s'autorégule, bullshit, l'aile tombe dans la crise, c'est l'État qui intervient bien entendu pour pallier à crise ça, pour remettre, pour relancer l'activité économique. Ça c'est un bagage qui sait. C'est la responsabilité de l'élite économique. Et peut-être ça dans un grand pays, qu'on a un problème en crise économique, où il y aurait les premiers bagages gouvernement, l'État américain fait, il y aurait les Fed. Qui ça aurait les Fed là? Fédéral, réserve fédérale américaine. Il y aurait les pour y'a capable de prendre l'argent pour injecter dans l'économie. Maintenant, pour injecter l'argent dans l'économie, parce qu'il y a une crise, automatiquement, il fait appel avec les banques. Qui ça, banque commerciale, il fait? Maintenant, il faut repartir les responsabilités. Qui est-ce qui est responsable de crise là? Et normal, oui, c'est ça que la justice va l'intervenir. Il va commencer à arrêter vacabou. FBI va mener enquête pour regarder qui est dans le secteur économique là, qui te prend des décisions irresponsables, qui crée crise. Et puis, on commence à marrer vacabon, on marrer, on fout tout en prison.
Et ça est mon café pays. Parce que yo connaît ou pas qu'a gagne responsabilité ou pas qu'a élite économique pour pas gagne responsabilité pénale vis-à-vis des décisions que on prend qui gagne des impacts qui gagne des impacts négatifs néfastes sur l'ensemble de la population. Parce que des décisions économiques là prendre ou mettre en danger toute et pas même en danger la population non, même la sécurité nationale du pays ou mettre en danger. Des décisions économiques ou prend même la sécurité nationale économique ou mettre en danger. Bon bloc on l'a petit bousin. Bloc nan koko maman. Ça c'est premier élément. M'a besoin de faire tout, m'a besoin de faire philosophie économique avant m'a étudier les pensées économiques avant la pensée économique, histoire. Non m'a besoin de faire tout ça ou avoir un break down pour non 5 secondes. Deuxième élément pour considérer, c'est la responsabilité de la classe politique. Nous pas qu'on classe politique cap monter cap aller dans l'élection monter au timon des affaires de l'État. Capable manager l'argent de l'État. Ou bon classe politique qui prend une décision au nom de l'État, au nom du peuple haïtien. N'est-ce qu'il y a l'argent, mais il y a un budget de l'État, mais il y a pour machine les machines de l'État, il y a joui de privilèges que l'État a accordé, et puis il n'y a aucune responsabilité pénale. Il n'y a aucune responsabilité vis-à-vis des populations. Il n'y a aucune responsabilité, et puis tout le monde, chita, c'est normal. Non, il n'y a rien de normal là-dedans. Il n'y a rien de normal là-dedans. Admettez attention, il n'y a rien de normal là-dedans. Il faut, sous besoin, jouir de privilèges l'État bail, normalement, ou doit faire face à responsabilité. C'est celle en Haïti, tout le monde qui a mis au sénateur, au député, il a caché en bas immunité parlementaire, il a caché en bas immunité que fonction en bas, et puis il prend des décisions qui contraires avec l'intérêt national, l'intérêt public, l'intérêt collectif, l'intérêt qui contraire avec sécurité et nationale. Tout bagage est problématique. Maintenant, nous pas d'accord, qu'on y a nous d'accord, et puis qu'on y a nous tous d'accord pour nous. Lorsque vous avez une élite ecclésiastique, n'est qui n'en tête l'église, yo. Yo pas prendre responsabilité, yo a vu une douce au nom de Jésus, y a parlé au nom de Dieu. Mais non! Comment se fait-il? C'est ça que aux États-Unis, y'a aucun bon paquet de paix là, y'a foutu traîner calambe devant l'État. Gon paquet de paix, y'a aucun bé là, ni au Canada, y'a aucun bé, y'a cap con et timoun, yo. Y'a traîné au nom tribunal! Y'a traîné les paix au nom tribunal! Pour y a dédommager, vagabond! A épée, mon café pays! Mais en Haïti, père a crevé ou, père a coin timoun yo, prête a coin timoun yo, li fait tout caca ka fait yo, yo coin tout moun en dedans, et bien yo gen passe. Bon, yo jeune franchise douanier, et yo jeune plus autorité, c'est yo plus respecté en dedans. Y a coin timoun, n'a yo a fait des actes malversation, hein? Et problème dans ça, hein? Et puis c'est normal. Et puis c'est normal. Tout simplement parce que yo gen titre prête, yo gen titre pasteur. Et puis ça, c'est là, c'est ce qu'on a c'est ça les abus d'autorité. Abus ou bon pouvoir dans monde, quel son pouvoir symbolique, quel son pouvoir réel, quel son pouvoir nature pouvoir, whatever it is, de vous gon pouvoir, ou ap exercer sur yon catégorie de moun, ou gon responsabilité qui marche avec elle. Parce que si vous abusez de pouvoir, faut qu'à devant l'autre pouvoir pour pouvoir juger de façon qu'on, ou exercer pouvoir sur moun. Son bagay clair lié. Pour qui belle là, m'dou m'bal bloqué bout d'alo, ah, ou pas, je, ah. M'dou pas occupé. Pas occupé, et moi, j'ai contrôlé le bouton, par contre, pour raison, on a battu le canon. Je dis, nous, pas répondre. Et moi, j'ai un bouton, hein. Si on dit, m'baisse le bouton, et puis, m'bloque le monde, et puis, m'voyez l'argent, m'voyez le bouillon de l'autre côté. C'est pour ça que m'dans, et pas, on va craser quoi. C'est ça, technologie, hein. C'est ce qu'on appelle la technologie. M'bala pour m'baille, m'en comprendre. Et on voit, m'en gagne tête pour comprendre. Avant de m'en bas, comprendre, m'en qui était, bon, nous, dans notre pays, se développe, il y a des problèmes, il faut qu'on résout, et puis, pour le comprendre. Donc, la compréhension, c'est dans le marché, on a. Ah, on dit comprendre, on n'a pas là, vous comprendre. M'en mourir, on comprend. M'en mourir, on comprend. Ah, nous, qu'elle est fou. Ah, va clair. Donc, là, c'est live, on fait pour moi. Depuis, m'en mourir, on va, arrêter ma live, on va, faut qu'il y ait vie, non, oui. Ah, on peut avoir live pour moi. Ah, on dit, oh.
clair. C'est où? Elle a causé. Ah, on dit quitter nèg la parler. Quitter le valet, moi qui bouton en même. Et moi qui pèse bouton, on dit nous pas occuper. Et moi qui pèse bouton. Ah. Ah, on est en va perdre, on va venir dire que bah, m'a dit nous dépousser zon pour pas qu'a venir. Ah, quand les zombies gagnent lumière dans les yeux. Ah, mon capre les vis, après nous dans 200 ans. Nous passer 200 ans comme ça. Ils sont dans l'allié des zombies qui prend pas conforme Jésus Dieu pointi. Oh oui, je ne vais pas dire ça, je ne vais pas dire ça. Ah, là. Ah, façon pour me chauffer toujours. On me dit non bagaille. Eh, gars qui pensait que j'ai un problème avec. Elle aime bien qu'on a écrit, n'est-ce pas, venir à doter. Et moudre nous. Bon, où est ça là? Et moudre nous. Ça, c'est mon lettre, nous écrit. Ok? On doit repenser l'état. Et m'écrit. Écrit en français. Bon. De publier article ça, non, trifoum. Bon, écoutez. Même si on est depuis longtemps, m'a écrit. Ça, c'est un article, nous écrit. Maintenant. Bon, y'a gars qui comprennent que, lui, on va me suivre, parce que c'est son nègre, mais s'il me vient avec lui, il y a quelques coucourades. A bin, l'imfiné écrit article là, ou a bin écrit en bas article là, qu'on pas comprendre. N'est-ce que vous comprenez? Quand on mal propre, m'écrit un article, m'adresser article là à un monde. N'est-ce que vous? M'adresser, ou pas article là marqué? Ou, mais, oui, article marqué, lettre ouverte à Claude Joseph. N'est-ce pas venu en bas là, là? N'est-ce pas venu en bas là, venu dire, oui, il n'y a pas comprendre. What the fuck? Est-ce que je m'écris là, vous? Si je m'écris là, vous, je m'écris là, vous, m'écris là, niveau, je m'écris là, vous. M'écris là, moun qui, où est son niveau, level, m'écris là, moun qui, pour comprendre, nous nous jouons, est-ce que nous sommes, vous avez? Nous, qui folie, nous sommes. Quand ça m'écrit, on l'aide par Aristide, on l'aide ouvert à l'autre, la besoin qu'on est qui ça m'écrit à l'aide là. Ou pas dans le niveau, vous comprenez, ou à d'où besoin qu'on est. What the fuck, qu'on est niveau. C'est à vous, ouais, Aïssé, ça. Aïssé, pas qu'on niveau, lui. Il pas qu'on place, lui. Il va qu'on rend. Oui, ou pas comprendre. What the fuck. Ou pas, c'est ma paix qu'on l'aide pour m'adresser, on va l'écrire pour vous comprendre. Comment vous comprenez, non? Et à vous, m'adresser. Pour elle m'a qu'il l'aide ouverte à, et à vous lier. Et on vient à lire, regardez, on commence à lire, lettre là, bon, peut-être faire mal. Bon, comment faire pour pas, peut-être faire mal? Est-ce qu'elle lettre là écrit pour vous? Son lettre ouverte qui est adressée à un monde. Est-ce qu'elle écrit pour vous? Il va écrire pour vous, pas de niveau pour lettre là. Oh, m'utilisez gros mot. Et pour de niveau pour lui? Ou qu'elle a joué ou pas bien, on va lettre là. Non! On n'a pas été, non, ok. On n'est pas de la même école. Nous pas passer dans la même école. Nous, on n'est pas de, nous pas de même étoffe. Ok? On compte moun m'adresser là. M'adresser moun, lettre là en fonction des niveaux moun, non? Comment c'est lettre là? Lettre là, bon, t'es fait mal. Trop mot français. What the fuck you mean trop mot français? Est-ce qu'elle t'a adressé pour vous? Eh, si on se mauvais bête, lui. Lui, on a ravi, on va l'être là. Non, mon cher, le fait qu'on lettre ouverte, pas le dit, le fait qu'on lettre ouverte, pas le dit, c'est, on bagarre pas le poté bout résolu, non? Le problème nous a, le fait qu'elle ouverte, lettre ouverte, pas le dit, ou pas le coup, il vient poté falou là-dedans, non? Pas comme ça? Nous éclairer, le problème, ça, moi, mais on est plus. Géon qui pensait lui-même, c'est fâché, la femme fâché, ou pas la femme fâché. Les vins en bas là, les pensées, la femme fâché, le paradis, on va pour le femme fâché. Non. Et pas mon femme fâché, et bloqué, moi, le bloqué. Imbécile ou imbécile. Il vient en bas là, la vie, oui, c'est là, ou le paradis, on va en démasquine. Non, blade, ou pas qu'on va en démasquine. Ou a fait qu'à quoi faire, il m'a bloqué mon dos, comme fin bloqué mon dos, qu'on y a au même moment retourné. Mais moi, qu'à bon travail, pas au cap bon travail. M'a bloqué mon dos, qu'on y a l'offre, fin bloqué, ou pas qu'à soublable encore, qu'on y a pas. Ou pral faire un lot à 40, ou pral venir sur l'autre non à faire même caca m'a bloqué mon dos encore. Après ça on va le tourner, on pral faire un lot bagarre, après tout nous comme m'a bloqué mon dos encore. That's it. Et vous avez et moi qu'a faut faire caca, il va ou qu'a faire caca. Ou vient en balade, on parler mal, ou parler mal pour une seconde.
ou juste prendre avion ou écrire caca bloqué ou qu'on y a même voir mon travail non bien là juste bon petit bloqué et puis qu'on y a même voir aller former on l'autre à 40 ou aller écrire ou font l'autre à 40 ou aller prendre ton bruit by the time pour tourner m'étant fini par le temps m'étant fini qu'on y a après tant nous dans l'autre live là l'envie ni son l'autre non foutu un bloc dans mon dos encore même qu'on est nous c'est comme ça nous c'est qui paye toujours pour ses intelligents. C'est ça, ici, qui est la calme. Aïe, toujours pour ses intelligents. Là, on fait caca, on est intelligent. On a un pays sous-développé. On vient iPhone 3 qui n'a mon. C'est dans la bataille pour jouer une charge, pas de courant. C'est quand les voisins ont pris un plug, ont plugé pour téléphone dans mon charge. Quand il y a premier bagage où jeune, au lieu de venir chita pour apprendre, ou venir dans la là, ou venir radoter. Comme bloqué, quand il y a pas d'énergie, quand il y a pas de temps pour créer un autre account, il y a pas de courant. Pas de temps pour créer un autre account, oui, il faut pas de courant sur Facebook. Il faut pas de courant, quand il y a pas ni Facebook, ou pas de ni rien, quand il y a oublié, prends téléphone, allez mettre quelques voisins, non, on vient, batterie, pour recharger le bout, quand il y a pas de 3 heures pour recharger. Moi même j'étais fini, m'a mangé, m'a boire dîner, n'a dîner avec tout le monde, m'a enjoy moi, m'a bagaille, m'a grand père, m'a courant de lumière. Ou même n'a fait caca. Et le problème non? On vient faire caca en bas là. Quand on vient faire, on vient prendre, on vient perdre du temps, on vient quitter, on vient radoter en bas là. Pendant ce temps, monde sérieux, monde qui a téléphone iPhone et tétine non mais. Monde qui a téléphone et diaspora qui a téléphone tétine plus. Non mais, qui est courant 24/7. Eh, 24/7 qui est courant. Bon, qui est diaspora là, c'est relais après relais. Qu'on pas y courant pour dire comme ça. Bon, je dis, m'a envie de courant là, quand même, non? Relais après relais. On prend un merde, qu'on pas y a dit, bon, pas besoin de courant, je dis, là. M'a envie de passer journée, hein. Si mounio pour être trop bruit, question télévision, madame, radio toute la journée. Relais compagnon, dit qu'on pas y a coupé courant pour je dis, Kopaye a dit le pas qu'a fait ça. Il dit coupez courant, dit nous. Grand pays. On a vu faire ma carte. Ou qu'on vient bagaille dans mon, ou qu'on vient iPhone 3 dans mon, ou pas même de courant pour balle charge, ou pas même de côté pour venir, et pour venir en bas là, pour venir rancer dans figu moun. On met des mouns dans la diaspora pour mettre minute pour, et on met des mouns dans la diaspora pour mettre minute pour, fin faire caca dans figu moun, et puis quand on met minute pour, venir en bas là, moun, ou pas apprendre, hein, vin faire caca, vin propose ou ka vin faire ma carte. On met, vin faire ma carte dans figu moun. Et après nous en bas profiter de ça, ou. C'est parce que nous, diaspora, on va mettre minute pour nous. Qu'on a nous tombé la guerre, qu'on nous Saint-Domingue. Saint-Domingue, at least, ou qu'a gon titan, parce que t'y courant. Ou commence à goûter, goût courant, l'arrivée Saint-Domingue. L'orgade, ou à Saint-Domingue, à bail, à bon courant, gen des titans, ou pas rater courant, bon, décide, vous quitter Saint-Domingue pour aller plus loin. Ou t'en la guerre, qu'on Chili. L'arrivée Chili, ou commence à gen courant net. On dit, bon, bah, la capi pour, t'aimes la guerre comme Brésil. L'arrivée Brésil, ou commence à jouer une caille, qu'on aura toilette, dans toilette hygiénique, ou commence à compter bon de l'eau, bon de l'eau glacée, nous j'ai des petits problèmes, on va commencer à connaître. C'est ça que nous venons finir en bas pour notre paradis. Pour notre États-Unis, à Bindio, oui, nous parlons même blanc, nous parlons même États-Unis. Qu'est-ce que tu fais, Kadi? Nous parlons même États-Unis. Nous, tout à l'heure, nous venons là, nous venons là, nous États-Unis. Bonne baisse. Bonne voile. T'as nous risier, t'as nous risier, bonne machin de lettres. Nous parlons même États-Unis. Maman, nous parlons nous États-Unis, à vous et tennis. Tout pays a chargé avec Pepe. Chaque jour, nous, on va marcher devant l'église catholique, là, devant la cathédrale, n'a pas ramassé Pepe, mamie, n'a pas ramassé reste maillot basket, n'a pas ramassé reste tennis, n'a pas ramassé reste pantalon chiré, reste vieux jean qui finit, reste vieux m'bagaille moun qui mourit aux États-Unis, n'a pas ramassé tout vieux caca nous mettez sous nous, ou quand même mettre un maillot sous qui moun de va, va venir de parler aux États-Unis. Eh, on bluffe, ou à les États-Unis, et vous allez mettre Pepe sous. Tout maillot sous, c'est Pepe. États-Unis aujourd'hui, ou pas remettre États-Unis, ou chita, ou manger poisson, ma ami. Ou gen l'argent pour manger bon poisson goût de sel. Ou gen l'argent, ou gen l'argent déjà pour manger poisson rose. Eh, fait caca, et pas poisson, ma ami, ou à manger. Eh, poisson, ma ami, 3 pour 2 gouttes. Eh, 4 pour 2 gouttes. Quand on gen l'argent pour manger poisson rose fraîche, qui fait tout dans la mer. Et pas 1000 lattes au Libanais qui mange poisson fraîche. Poisson rose, m'gonze 1000 lattes au Libanais. Ah, m'en fait caca dans figu moun, vin radoter. Hein, qui poule yoba ou ka manje pour le pays? Pour le pays, y'a mon bourgeois mi la qui vend, qui mange bon poule du, pour le pays, pour yo distrait yo. Bon, ou même mon nan vieux poule mamou la go, deux trois vieux, deux cuisses poule mamou prend, pour checker, pour manger, pour péter fiel. Mais kaka nan figi moun. Parce que nous ka passe moun en ba bêtise. Ka passe tête nous en ba bêtise, mais nous ka passe moun sérieux en ba bêtise. Nous de kaka.
Oh, vous parlez de Miami, vous parlez de Miami, vous parlez de États-Unis. Chaque jour, nous parlez de États-Unis. Nous allons voir qu'il est avion à passer. Rêve, nous regardons qu'il est avion. Vous rendez dans la camionnette, vous voyez un jour pour un avion qui a passé sous tête. Depuis l'avion pour l'atterrir. Oh, ça c'est American Airlines. Ça c'est American Airlines. Oh, ça c'est Spirit. Oh, ça c'est Spirit. Oh, ça c'est Jet Bleu. Oh, ça c'est Jet Bleu. Driver devant l'ambassade américaine, chaque jour à driver devant, après tant de visa, hein, après tant de visa, vend tout vieux bien nous gagne en dehors, vend tout ces citoyens, vin driver l'ambassade américaine, vin retant de visa, fait caca dans figuimoun, qu'on a rien pour pas, américain, t'as fuck carré, qui moun n'a caca là? Qui moun n'a bullshit là? Non, elle n'a pas bullshit moun? Elle a bullshit moun, fait caca, elle m'a rien nous tout, elle a vin bullshit moun. Elle a vin bluffé moun, passe moun en barbecue. Et diaspora pas bon. Mais dis-nous si les jours diaspora foutent en bas. Dès les jours diaspora foutent en bas, on a monde à nous gonner nos caca. Les jours diaspora foutent. Regardez, dès les jours diaspora foutent 7 jours. 7 jours en bas, on a monde à nous tout caca. Révolution t'as tout commencé. Tourner un boulet. Les diaspora qui a bêtisé. Les jours diaspora foutent en bas. 7 jours en Haïti, révolution commencé. Révolution tout commencé dans le pays d'Haïti. Et diaspora qui aime nous, qui fait nous aussi. Et diaspora qui tire nous toujours. Diaspora qui s'y tire, qui s'y tire nous. Les jours, diaspora pas bon goud. Fait 7 jours pas bon goud et puis ouais. Révolution commence dans le pays. Ah, révolution. Tout le monde prend ma chèque, mon chèque, tout le monde prend couligno, tout le monde a cherché la vie côté de la vie. Et moi, dis-nous ça. Révolution. Révolution commence. Diaspora bêtisier trop. Parce qu'on pas qu'à gagner un petit corbeau. On pas qu'à diaspora pour gagner un petit corbeau. On va travailler dur dans le grand pays pour chiter, on va engraisser un gras en Haïti. Diaspora Bakashita, ou un grand pays comme ça, ou non paradis, ou non paradis, ou le n'importe machine, ou bien vivre, ou travail du ça, ou prendre l'argent, ou boire par vacamon Haïti, mais moun fouye. Et moun fouye, tête pas clair. Un grâce à eux, ou pas clair. Et c'est ça que Sylvestre font changer ou un goût de baille. Et moi dis nous ça, gardez, pito, l'arrivée en bas, pito prend quoi pour mettre l'en banque, ou kembe lui. Pito prend quoi pour mettre l'en banque, et grâce à eux en bas, Je suis un peu plus jeune. Je suis mal parlé. Je suis allé dans le coco, je suis très mal parlé. Avant de vicier. Je suis très mal parlé. Grand goût. Bon, nous allons faire moral. Nous allons dire que nous allons venir à Haïti. Je viens à Haïti, j'ai un diplôme dans mon dame. Je viens à Haïti, j'ai un diplôme. Je viens à Haïti, c'est intellectuel, oui, calambe. Si je viens à Haïti, j'ai un diplôme. J'ai deux gros diplômes dans le coco, je vais étudier dans le grand pays. Je tombe à Haïti, bouc, demain, si je vais travailler. Et où est-ce que tu as un diplôme dans le coco? J'ai un diplôme blanc. Bon, moi, non, mon dame. Deux gros diplômes, non, deux masters, non, coco, bon, bot, moi, non, bon, bot, moi. Blanc, vous, moi, deux masters, non, bon, bot, moi. Si vous voulez, là, vous prenez doctorat, non, coco, depuis, moi, je vais à Haïti, là. C'est docteur, vous, les, moi, salope. Qui sont pas venus de la vidéo, oui, mal parlé. Et docteur, vous, les, docteur, là, vous, et vous, les, expert. Là, vous comprenez, bon, imbécile. Et même, toujours, dit, mon diaspora qui ici, yo. Mon diaspora qui ici, yo. Dès vous, arrivez là, vous mettez Chili. Dégagez pour un bout de diplôme. Ou mettre ces domaines pour un bout de diplôme. Ou mettre Brésil pour un bout de diplôme. Parce que vous ne connaissez pas. L'autre tombe à Haïti pour tomber avec un diplôme ou dans mon dos. Et vous savez. Ben, vous avez un étranger. Qui c'est un gros diplôme, oui? Eh, quand on a fait caca, quand on a radoté. Ça, vous ne connaissez pas le livre qu'on écrit. Vous avez fait caca. Chita là, dans le pays, vous avez bêtisé à Figi. Vous avez vivre là-bas. Et vous avez une poste qui a fait lancer à Figi. The fuck are you? Et moi, nous tout. Bon, on finit chauffer, on va aux choses sérieuses. Chers amis, on va aux choses sérieuses. Ouais, on va chauffer qu'on y a là, on va aux choses sérieuses. Maintenant, comment c'est pour un plume, nous, à Kaye? Nous, parce qu'on va le poor knowledge. On va l'aguer connaissance dans Bobot, nous, imaginons. Bon. On va le faire de façon méthodique.
Pas de façon méthodique pour nous. Ou avez besoin de faire grandes études pour comprendre comment elle va là. You know? Ou avez besoin de faire grandes études. Non. Domaine que m'a le touché à, méthodologie, domaine que m'a le touché à, sujet ça m'a le touché à. Sujet ça m'a le touché à, important. Formulation sujet à, lit très important. Ok? D'ailleurs, doit formuler de façon, pour me chercher le rapport qui existait entre vaccin et Mac de la Bête. Mais me dit, est-ce que Mac de la Bête, non? Est-ce que vaccin, c'est Mac de la Bête là? Me formuler en forme de question. Ok, me mettez sur la forme interrogative. Bon, raison qui fait me faire là. De pour me dire, est-ce que vaccin, c'est Mac de la Bête? C'est-à-dire que formulation question, même, il y a une dimension philosophique là-dedans. Ok, il y a une dimension philosophique. Est-ce que, c'est-à-dire est-ce que y a, il est très philosophique. Est-ce que, en quelque sorte, pour me comprendre mieux, est-ce que, ok, vaccin, c'est Mac de la Bête. Ouais, dimension. So, Ndegedwal, mettez sujet à me dire, vaccin et Mac de la Bête. Maintenant, faut nous définir, bagaille. Pour nous pas mettre tête nous dans position comme si, premier bagaille ou fait, il y a deux thèmes faut définir. Ok? Maintenant, des questions qui ont rapport avec vaccin, faut nous définir. Et de l'autre côté, bien entendu, Mac de la Bête. Définir avant de mettre un rapport, avant de soulever même problématique là. Ce qui est important, il faut définir les termes du sujet. Je vous dis, nous m'a fait de façon méthodologique. Parce que là, en même temps, on va prendre nos méthodes pour nous travailler, pour nous comprendre en série de bagages avant de nous aller. Maintenant, vaccin, c'est pas la première fois que le monde a fait face à vaccin. Ok? Il y a des pandémies. Tout le monde là prend vaccin. Qui tout fait tout petit monde prend vaccin? Vaccin, c'est en sorte de médicaments que yo injecté, une injection yo fait en dedans corps normalement pour combattre un virus ou bien une bactérie en dedans. Sur quel que soit ça, pour pas oublier nous sommes organismes vivants. OK, nous exposés à un environnement qui en quelque sorte capable affecter nous et puis virus nous cache attrape des virus qui entrent en dedans corps nous qui cause que nous organismes nous attaquer et puis automatiquement nous tomber. Maintenant, ce qui est important, c'est que les scientifiques, en quelque sorte, les chercheurs dans le domaine médical, ils font des recherches pour rejoindre des anticorps ou bien ils rejoignent des antigènes pour combattre le virus qui vient. Maintenant, nous venons confronter avec un virus qui vient une dynamique pandémique, qui vient tourner en pandémique au niveau mondial. So, basically, COVID-19, il fait des dégâts énormes au niveau planétaire, en pile monde mourir, en pile monde perdre vie. Comprendre? Maintenant, ça vient interpeller les autorités, non seulement sanitaires dans différents pays, mais aussi au niveau mondial. OMC, tout est intervenu là-dedans. Ceci étant dit, à partir de taux de mortalité qui t'accroître à travers le monde, il y a des mesures préventives que tu prends. La première chose que tu fais, c'était des mesures préventives. Mesures préventives dans le sens que, pour être capable éviter à ce que virus ne pas propagé dans la planète là. OK, davantage, je prends des mesures, je mettais mon en quarantaine, je mettais mon ici, je mettais chaque pays a adopté une politique de prévention pour être capable faciliter éviter virus ne propagé. Mais tout le monde connaît virus là, yo attribué à la Chine, il sorti en Chine et même Trump lui-même a bouché de dit c'est les virus là, Covid là, Chine. Maintenant, ce qui est important, c'est que nous pas qu'à combattre, nous pas qu'à nier le fait que là, il existait. Il fait des dégâts énormes. Nous pas besoin de preuves hautes que quantité de monde qui mourit, qui est associé avec. C'est pas clair. Maintenant, ce qui est important, il faut que les jeunes des mesures. Parce que c'est une situation qui a un rapport avec la santé publique.
santé publique monde mondial. OK? Maintenant, ceci étant dit, il est clair que toutes les autorités des pays a cherché des façons, des moyens pour être capable de venir avec un vaccin pour combattre le virus. Maintenant, de l'argent attribué à une série de organismes, OK, qui spécialisent dans le domaine de recherche, qu'on y a la course commencée pour question vaccin, pour jeune vaccin pour combattre le COVID-19 là. Et bien, c'est comme ça tout, nous avons un paquet de vaccins qui paraît sur le marché. Bon. Et de plusieurs noms, patati patata, il n'y a pas de sous-marché. Ok? Maintenant, tout le monde, avec apparition vaccin, ça, ça y est sous-marché, il y a pile monde qui commençait à attribuer des théories par rapport avec question vaccination, ça. Maintenant, il faut comprendre que théorie, ça y est, en quelque sorte, des monde qui appuyé, pour justifier théorie, ça y est, yo lié avec d'autres, bien entendu, d'autres aspects. Gen moun kal deye des explications bibliques pour capable justifier pour soutenir théorie. Bon, so maintenant, faut comprendre bien ma dynamique, ma perspective, ma découvrir, ma essayer ba nou bon comprendre. Maintenant, gen moun ki pa vle prend vaccin, gen moun tout qui là a encouragé pour vaccin. Konn yo gen deux copos, ou gen deux pôles, ou gen deux courants qui bataille pour vaccin. Hein? Contre vaccin. Maintenant, moun qui pour vaccin, normalement, c'est moun qui, en quelque sorte, prend, appuyer les positions de gouvernement, comprenez, occidental, gouvernement occidental, tant que les États-Unis, la France, le Canada, tout pays, ça, qui gagne des positions officielles pour yon capable de vaccin avec moun pour yon préserver population, yon, en quelque sorte. Maintenant, gen moun tout qui contre question moun pour prendre vaccin. Pour des raisons, parfois religieuses, c'est ça, mal expliqué, raison religieuse, c'est que, estimez que, première théorie, estimez que, c'est mag de la bête. Oh, vaccin, ça, c'est mag de la bête. Quelqu'un qui dit tout, y'a pas prendre, parce que, y'a pas avec exposé vie, parce que, estimez que, si y'a prend vaccin, y'a trop moun kap mouri, parce que, vaccin, ça, y'a des variants, par exemple, Delta, y'a joué que vaccin pas vraiment efficace, enough, y'a moun qui prend vaccin qui mouri. Tout moun a pas avancé, y'a moun qui a avancé des arguments scientifiques, y'a d'autres moun qui a avancé des arguments d'ordre religieux pour y'a capable de justifier le position qui fait parler pour un vaccin. Mais, je veux être clair là-dessus. Ni, il ne disconvient pas que, question prend vaccin reste un choix personnel. Faut nous clair sur ça. Dans tout ça, m'sot dit là, bon seul bagage pour mettre dans ma yo choix personnel. C'est-à-dire, c'est, ou mettant des maps dit tout ça, m'a dit là, il revient au choix personnel, c'est la responsabilité individuelle. Maintenant, ceci étant dit, oui, gen doit avoir une approche coercitive qui fait pour l'intérêt commun. C'est-à-dire que l'État, le gouvernement, en quelque sorte, gen doit, en quelque sorte, prendre des mesures pour mandate, c'est-à-dire pour faire injonction sur une série de moun pour y prendre, une série de professionnels pour y prendre vaccin, ça. Raison, parce que moun sa yo, en quelque sorte, c'est moun qui occupe des espaces et cap travail dans des endroits, cap offrir des services, yo estime que moun sa yo, yo supposé comply, yo conformer yo avec des directives que l'État prend pour permettre à ce que yo pa yon sous qui l'a pour propager virus là. Maintenant, moun sa yo, yo confronté à une situation. Situation yo confronté avec, c'est que si moun n'a travaillé dans l'hôpital, si moun n'a travaillé pour l'État, si moun n'a travaillé dans l'hôpital, du CNS, du CDOC, tel, si, si moun n'a travaillé dans la police, si moun n'a travaillé dans l'État, automatiquement l'État fait injonction sur lui pour le prendre. Maintenant, problème qui gagne, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas force. Faites attention. Il y a force, il y a injonction. Et deux bagages complètement différents. Forcer au monde, c'est leur retirer toute liberté net. Ou pas le choix. C'est laisser forcer au monde. Injonction, vous voulez dire que, moins bon choix. Et deux bagages différents. Alors, il faut que nous clarifions le concept pour le monde. De quoi pour nous pas voyer monter, pour nous pas, à la doter. Non. Forcer au monde, ou pas le choix. C'est-à-dire, ou kembel par la force, ou utiliser, ou faire l'usage de la force, pour injecter l'homme. Ça, c'est le premier élément pour nous considérer. Y'a pas forcé, ou. Y'a fait injection. Y'a bon choix. Y'a dit que c'est soit ou prendre, pour venir travailler,
ou bien ou sou pas prendre ou pas prendre pas de travail. It's up to you. Et c'est ça tout problème là. C'est que vous mettez un choix. Et c'est ça que je dis au départ. Question ça a son choix. Vous quittez le choix. Donc, question qui fondamentale au moment, c'est une question de choix. Choix personnel. Pour quelle raison? Parce que c'est une question de responsabilité là-dedans. Oui, faut ne pas mettre un menti. Il y a une question de responsabilité là-dedans. Maintenant. Gen l'église, problème d'entrer dans le domaine de l'église. Secteur religieux a confronté à la situation ça. Ok? Secteur religieux a confronté avec la situation ça. Mounade dans l'église, yo, gen des nurses, gen des docteurs, gen des ceci, qui se membre l'église. Bagay ça bouleverse le secteur religieux. Maintenant, au besoin qu'on ait les positions officielles des autorités ecclésiastiques en ce qui a trait avec question, ok, question vaccin. Maintenant, il y a des églises qui, normalement, a positionné officiellement. Mais dans la majorité des églises que n'a pas gardé, ok, majorité des églises, il y a des positions qui dit que, ok, y'a pas contre question, position officielle, là, y'a pas contre question vaccin, mais il était un choix personnel pour tout le monde faire. Ok? Y'a l'église tout qui dit, bon, moi-même, m'pap décourager moun, pas prendre vaccin. En même temps, tout, moi, pap encourager moun, prendre, il revient un choix personnel. Pour qui raison? Parce que dans une situation chaotique, ça, tout le monde besoin guidance. Tout le monde besoin direction. Y'a besoin conseil pour y'a connaître qui choix pour y'a faire. Parce que c'est pas tout le monde qui a la capacité pour exercer libre arbitre pour choisir. Il y a pas tout le monde qui a monde dans il y a pas tout le monde qui a courage, qui a conviction. Il a besoin d'un monde qui pour aider lui pour prendre une décision. Parce que lui peut faire mauvais choix en même temps tout lui par contre qui ça qui bon choix. Il trouve une situation extrêmement difficile. Maintenant, il tourne vers les autorités ecclésiastiques pour voir si il y a une réponse satisfaisante qui te permettre à ce que si on fait un choix au moins les y a quelqu'un a pu dire bon c'est l'église moi qui t'a dit on façon pour déresponsabiliser yo pour la guerre sur l'église. Ah mon cher c'est pasteur l'église moi t'a dit prendre moi prendre mon cher c'est pasteur non t'étendre c'est l'église moi m'étendre qui fait me prendre est-ce que nous comprenons? So basically moun nan trouvé non situation le besoin guidance li besoin conseil li besoin position. Maintenant le problème qui se pose même à l'intérieur des églises du secteur religieux des contradictions. Des contradictions. Même à l'intérieur de l'église. Contradiction dans le sens que, qui ça vaccine réellement? Et l'âme des besoins arrivés. Problème. Est-ce que vaccin, c'est Mac de la bête? Et donc, il y a une pile théorie sur la question Mac de la bête là. Alors nous comment m'aborder ben là c'est méthodologie. So ouais ma question vaccin font historicité pipi question définie par rapport avec mon antigène qui entre dans quoi tout et puis bah on série de position par rapport avec me présenter cadre là pour nous ouais on idée et puis automatiquement est-ce que nous ouais méthodologie c'est qui poser problème en même temps tout me va poser problème même va entrer dans dynamique de définition pour me dire qui ça qui marque de la bête là. Maintenant là marque de la bête là il était toujours problématique parce qu'elle était fait objet de diverses interprétations théoriques sur grand pile théorie qui était une chita sur question marque de la bête là. Comprenez bien des monde qui était des théories qui te fait comprendre que Mac de la bête là, c'est un bagage qui a un rapport avec et biopus qui ont implanté dans le commun. Il y a un monde qui dit oui, son biopus, ils ont mis sous peau moun yo, bagage ça yo, côté quel que soit côté, c'est un Mac de la bête là. Il y a un monde qui te dit, c'est un tatouage électronique. Ils ont mis sous corps moun. C'est qu'on salie son tatouage sous corps. T'as coupé par exemple,
moun ki gen tatouage 666 sou corps yo, yo di moun sa yo gen mark de la bête sou yo. Gen moun ki di, gen même moun kale pi loin yo di mark de la bête la, yo te di ke mark de la bête la c'était sécurité sociale. Numéro sécurité sociale. Gen moun ki di même c'est numéro passeport qui mark de la bête. En théorie. Moun ka pa avancer des hypothèses d'interprétation normal. Gen moun ki di même ce sont des Magdela Beta, c'était un dispositif de géolocalisation. Un dispositif de géolocalisation, yon mette yon ba ou sous forme de vaccin, puis yon ka localiser quel que soit kotoye, tant que yon GPS. Un microchip. Ok? Gen moun ki même dit non, son implant, qui yon ba ou sous forme de vaccin, pour li capable, bien entendu, yon contrôle pour l'état gouvernement qui a contrôlé brain ou, l'esprit ou pensée ou. So, tout ça, yo, ce sont des théories que nèg yo avancé, des hypothèses, gagné qui t'es avancé depuis bien longtemps, gagné tout qui pas trop loin là, qui t'es paraît. Et puis, avec question COVID-19 là, avec question vaccination, hein, automatiquement, débat ça lui fait surgence encore, avec question Mac de la Bête. Parce que depuis quelques temps, nous pas attendu parler de Mac de la Bête, ça pas intéressé moun. Religieux, mon religieux pas intéressé, ça pas intéressé pendant quelques temps, Mac de la bête. C'est qu'on vaccin ça a vini, là, tout le monde dit Mac de la bête. Et mon dit pas même qu'est de Mac de la bête. Faut dire nous tout clair. Ça fait longtemps, bon temps, Mac de la bête dans la Bible. En pile secteur, à mon à l'église, je pas qu'est de Mac de la bête. En pile l'église, mon à l'église, je pas de parler de Mac de la bête. Quel monde qu'à l'église, qui chita en l'église, je pas même dire, ah oui, Mac de la bête. Je pas même prêcher sur Mac de la bête. Maintenant, C'est événement mondial ça qui permet Mac de la Bête la refaire surgence sous scène internationale là et surtout dans le monde religieux. Tout le monde besoin connaît qui ça est-ce que c'est Mac de la Bête lié. Maintenant, question Mac de la Bête là, il fait référence avec un livre dans la Bible. Il fait référence avec un livre dans la Bible. Premier côté où je t'aime ça, c'est dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse. Ok? Il fait référence surtout à l'Apocalypse chapitre 13. En pile dans nous, qui va comprendre, qui va connaître. Apocalypse chapitre 13. Maintenant, femme dit nous tout. Elle parle de Apocalypse chapitre 13. L'important pour nous comprendre que question ça, il est fondamental. Ok, il est fondamental et pour plusieurs raisons. Il est fondamental parce qu'en quelque sorte, Apocalypse chapitre 13, il fait partie d'une prophétie. Maintenant, puisqu'il fait partie d'une prophétie, c'est normal pour nous comprendre, pour nous interroger nous. De qui ça, Apocalypse chapitre 13, la parlait? C'est un bataille qui est tout à fait normal. Maintenant, faut me clarifier avant d'entrer en dedans pour nous comprendre. Et, gamin qui doit proposer athée, bon. Sous ces athées, good. Là, m'a même pas de problème à ça parce que même la Bible dit que mon cap dit pas de bon Dieu. Ça va déranger. Maintenant, ça m'a dit à là, il concernait moun, dans le secteur religieux, qui a des doutes concernant le vaccin. Et puis, le plus souvent, qu'ils ont attribué, ils ont associé avec Mac de la Bête. Maintenant, Apocalypse chapitre 13, il fait un point qui, il touche un point qui est important. Surtout, tout d'abord, chapitre 13, verset 16, 17. Il dit comme ça, je lis pour vous. Il dit, la bête, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres, et esclaves reçoivent une marque sur leur main droite. T'as bien, sur leur main droite. Ou sur leur front. Maintenant, faites très attention. Main droite, front. C'est deux éléments pour nous considérer. Localité, ça, on a commun. Main droite et front. Tout d'abord, pas oublier, nous, en Apocalypse. Apocalypse, il y a un pile symbole là-dedans. Symbole qui est dans l'Apocalypse. Ce sont des symboles bibliques.
Mais première méthode pour apprendre qu'on est en matière d'interprétation, la Bible c'est lui-même qui interprète tête lui. Premier principe de base. Ou pas qu'à venir avec interprétation pour vous mettre dans la Bible. C'est la Bible qui dit qui ça met droite là, il représente. Et c'est la Bible qui dit qui ça fond représente. La Bible représente fond normalement comme l'esprit. Ok? Comme l'esprit. C'est ça, il considère. Fond. L'esprit. C'est-à-dire, c'est là, système pensée. Bueno, quand on réfléchit, quand on est capable de produire des réflexions, des analyses. C'est ça, pensée. Maintenant, mais on doit la considérer dans la Bible comme étant ce qu'on appelle activité, travail ou manuel, ça on fait avec mais on, les activités, les actes qu'on commet. Maintenant, pas oublier, maintenant, faites attention, Marc là, la Bible très, et prophétie a très clair, il y a deux côtés où doit prendre Marc là. Je dis que là, dans le fond symbolise la pensée, le cercle de la pensée, la réflexion, l'analyse, l'idéologie, croyance, c'est le cercle de la croyance, ça. Et puis de notre côté, c'est la main droite, c'est-à-dire il y a un rapport aussi avec activité ou à fait. Maintenant, si on va produire une réflexion qui est en conformité au niveau de l'esprit avec la volonté divine, maintenant action qu'on va commettre et travail qu'on va faire, il doit aller dans le sens aussi pour refléter que action et zakou li en harmonie avec le système qui pote mac de la bête là. Comprenez bien. Deux côtés au capable de monde qui mac là, c'est à travers système de pensée. C'est-à-dire bien ça me dit, système de pensée. La façon monde de penser. La façon ça croit idéologie avec dans activité le choix qu'elle fait. Même activité qu'elle fait. Deux éléments ça. Maintenant, t'as des tables lui dit. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque. Comprenez bien. Ou pas qu'à acheter ou pas qu'à vendre si ou pas qu'à une marque là. T'as des miens, ça m'a dit là. Un. Si ou pas qu'à une marque là dans le fond, ou pas qu'à acheter ou pas qu'à vendre. Si ou pas qu'à une marque là dans le mien, ou pas qu'à acheter ou pas qu'à vendre. Posez cette question maintenant. Ça veut dire, ou pas acheter ou pas vendre. Sou pas gen mal. Ou pas acheter ou pas vendre, ça veut dire ou pas faire commerce. Ou pas échanger. Ou pas aller dans market. Ou pas faire business, rien pas faire. En d'autres termes, ou bloqué. Ça veut dire ou pas vivre parce que faut acheter, faut boire, faut manger, faut mettre dessous, faut fonctionner pour fonctionner. Pour fonctionner, pour faire bagage, il faut travailler. Comprenez bien ça me dit à la. Faut travailler. En plus, le monde, pas de prêter attention sur ça. Et c'est ça qui fait le suivre. Texte ça va dire, pour travailler, texte ça dit, ou pas qu'à acheter, ou pas qu'à vendre. Ça veut dire, pour acheter, pour vendre, faut avoir l'argent, faut avoir accès à l'argent. Comprenez bien texte ça. Comprenez bien texte ça. Ça, je voulais faire comprendre, là. C'est ça, t'as parlé de penser avec action nommée. Travail. Parce que ça, je voulais dire par là. Pour toucher, pour gagner accès à quoi, faut penser aux réflexions, aux analyses, croyances, en conformité avec Macbeth, là. Idéologie, bête, là. Vision, bête, là. Conception, philosophie, monde, là. C'est laisse ça au bon passé, ça veut dire. L'opral nous travail, ou pral derrière travail, ou bien pral derrière travail pour gagner l'argent dans le monde, automatiquement, système nous pral évalue. Faut système nous évalue pour voir comment penser. Est-ce qu'on accepte un modèle de pensée? Est-ce qu'on accepte un modèle de philosophie? Est-ce qu'on accepte une manière de voir les choses, même j'en bête la vlog ou elle là? Ah, c'est premier élément pour jeune travail. Deuxième élément, ou quand jeune travail ça, ou bien qu'a perdu travail ou à cause de modèle de pensée ça. Deuxième élément, pour comprendre, deuxième élément, c'est mère activité, travail manuel. Premier travail là, travail intellectuel, travail de pensée, travail de réflexion pour enseigner,
pour réfléchir, c'est la pensée, croyance, domaine qui a rapport avec travail, travail de l'esprit humain. Mais bon, l'autre aspect qui c'est le travail, mais, il y a des travaux qui prennent derrière pour gagner l'argent dans main, automatiquement, ils mettent en position. D'abord, pour le bon travail, là, gagner des évaluations, faut yo make sure que c'est là qu'il y a problème pas le poser. Faut yo make sure que soit ou soumettre ou accepter prendre mac bête là ou accepter reconnaître bête là comme puissance comme alternative comme ça pour yo bon passé. C'est pas un solo pour mettre sous mais c'est qualité travail ou pas le accès pour faire. OK? Et deuxièmement c'est acceptation li fait à travers travail là. Faut nous comprendre bien parce que c'est très problématique pour pile monde pas comprendre. C'est ça fait Texas ou pas acheter ou pas ka acheter ni vendre parce que pour acheter et pour vendre faut gagner l'argent. Tendez moi bien acheter et vendre c'est commerce faut gagner l'argent. Mais pour gagner commerce, pour gagner l'argent, faut aller travailler. Maintenant pour travailler qui ça mando? Yo mando gagne un curriculum vitae. OK? Faut aller passer interview et ou bien pour dire mais ça va fait. Maintenant pour gagner accès à ça ou pour gagner accès à l'argent, automatiquement gagne une série de conditions, yo pas demander ça ça veut dire. Puissance ça qui bête là. Premier bagage pour maintenant Marou, pour l'arriver contrôler ou faut contrôler l'économie pays, économie monde là. C'est-à-dire que pour bête ça arriver imposer Macli, son système que bête là pour mettre en place d'abord au niveau économique. Les dimensions fondamentales économiques là-dedans. C'est-à-dire que tous les acteurs économiques vont obliger à plier en bas vote, en bas obligation, système ça. Mondial ça. Parce que y a un élément en bas obligation, il faut considérer ça en pile. Quel que soit acteur économique là, quel que soit acteur économique là, pour fonctionner, pour créer travail, pour bailler travail, pour l'investir, lui obliger conformer avec l'ordre établi. Pas de mentir, ça c'est le premier paramètre là. Et l'ordre établi ça, c'est l'ordre établi par la bête. Faut le faire très attention. C'est-à-dire, pour l'établi par la bête, gon système économique lui va le mettre en place. Comprenez bien. Pour aller plus loin, c'est-à-dire, pour aller plus loin, Texas dit, le nom de la bête, ou le nombre de son nom, 666. Attendez-vous. Maintenant, il y a un bagage qui est fondamental pour nous apprendre à connaître. Pour pile monde qui n'a pas prêté attention à ça. Qui ça qui pour imposer si ou al travail, si ou al deye travail, t'as dit bien, si ou al deye travail. Et puis, yo dou, pour travail, faut faire ci, faut faire ça. Qui côté ou t'as pas le courir, ou pas le deye recours? T'as dit bien, oui. Pour m'a fait nous comprendre bête là. Ou al deye travail pour vivre. Yo dou, faut faire ci, faut faire ça. Ou pas d'accord. Qui côté ou t'as pas le deye recours? Ou t'as pas le deye recours dans l'État? Ok, ou alors entreprise, ou il veut une entreprise, ou besoin l'argent, ou besoin acheter ou pas acheter, ou besoin l'argent pour aller. Ou alors entreprise, ou alors travail. Ou il veut une entreprise, non, yo mando, conseil des bagages, yo mando, qui pas conforme avec croyance ou senti ces marques de bête liées au baladon, qui sont pas le fait. Qui sont pas le fait. Ou alors senti, ou discriminer, qui sont pas le fait. Ou pas le droit, l'on droit, qui sont pas le fait. Ou pas devant l'État. Ou pas devant l'État. Mais nous l'on devant l'État. L'État, normalement, t'as dû, toi, d'intervenir, mais il a problème, c'est l'État, ça, c'est NAS, État puissance, ça même, qui bête là. Elle a dit que, ou pas gué recours. L'État, ou pas gué recours devant l'État. Ou pas gué recours devant, l'État. C'est à dire que, même là, où t'arrives dans une situation difficile, c'est ça que t'as pas dit que, ou non contrainte. Des deux côtés, ou pas qu'à jouer accès à l'argent, parce qu'on pas qu'à travailler, ou du pas travailler, ou pas faire travail tel travail, ou pas qu'à accepter travail là. Deux,
ou pas d'accord ou du pas devant l'État pour l'État faire injonction sur l'entreprise pour le bon travail. L'État, qui c'est bête là, c'est lui-même qui bat loi. Maintenant, pas d'exit. Ou pas ou rien ou ou rien ou rien choix. C'est soit prendre ou conformer ou le fin conformer ou prendre Mac ou accepter conformer. C'est ça, Mac là, ou accepter conformer ou accepter adhérer ou accepter couper ou pour vivre. C'est ça. Ou bien, ou accepter souffrir. Ou pas prendre. Ou faire Dieu confiance, ou accepter souffrir. Maintenant, on avance plus loin. Pour aller plus loin, pour nous comprendre. C'est un bagage qui est important. L'arrivée dans Apocalypse 13, verset 18, il dit comme ça que, nomme ça, Macbeth là, non blanc, lui c'est 666. Maintenant, quand pile dans nous qui t'en parler de 666, ben, vous me clair avec nous pour nous comprendre, dynamique là. Tout d'abord, la Bible, conseille des messages, Dieu qu'on baille, qui a un rapport avec des numéros. Ok? Des nombres. En même temps, tout, chaque nombre, ça, le plus souvent, chaque, dans l'alphabet, on a parlé de l'alphabet hébraïque, pas oublié, Bible, préalablement, t'es écrit dans deux langues. Langue hébraïque, ok? Après ça, langue grecque, là. Parce que pas oublié, la Septante, c'est première traduction, Septante, c'est première traduction, langue hébraïque, langue en grec. Maintenant, entendez bien pour avancer. Dans la langue hébraïque, là, l'alphabet hébraïque, il y a 22 lettres là-dedans. Il lit de droite, il commence de droite à gauche. Ok? Première lettre, alphabet, c'est Aleph. Ok? Deuxième, dernière lettre là, qui c'est Tav. Comprenez bien ça, m'a dit là. Il y a 22 lettres là-dedans. Chaque lettre, ça, correspond à un nom. T'as dit bien, chaque lettre là, correspond à un nom dans la langue hébraïque, là. Maintenant, pour entrer plus loin, pour aller plus loin, n'a remarqué que au commencement, dans le livre de Genèse, chapitre 1er, les dieux a créé le monde, il crée le monde, mais il mentionnait des nombres. Il dit ce fut le premier jour. Un, ce fut le deuxième jour. Deux, ce fut le troisième jour. Mais, Guillaume Marais qui est important pour nous comprendre. Les labs déclarés jouyo. Li pas jamais dit, il y eut un matin et il y eut un soir. Li dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Comprenez bien. Ça veut dire. Il commençait d'abord par soir. Et puis, pour vivre le matin. C'est-à-dire que, dans la dimension spirituelle là, yon jou toujours commencer avec la nuit pour arriver dans matin. Attendez bien ça m'a dit là. Contrairement avec nous autres qu'on y a qui commence en journée avec lever du soleil. Non. La création dans Bible, il va commencer comme ça. Journée commencer avec soirée. Et puis il arrive dans matin. Ce fut le premier jour. Maintenant, attendez bien pour nous donner bien, pour nous comprendre bien. Regardez, ça n'a pas fait pour tout le monde. À remarquer, à chaque jour, bon création, bon bagage qui crée. Mais, à chaque jour, y a pas, Dieu pas bâillé au nom. Très important. Pour nous mettre accent sur ça. Il pas bâillé au nom. Il pas bâillé au numéro. Ok? Les rivets sous sixième. Et puis l'entrée dans septième. Il repose. Mais au sixième. Dans sixième, non, bon Dieu fait un travail. Dans le sixième, nan, qui c'est numéro six, nan, mon Dieu créé l'homme à image, à ressemblance. Comprenez bien dynamique ça. Septième jour, il repose. Maintenant, chiffre ça, dans l'Apocalypse, qui c'est six, il correspond, il dit un homme d'homme. En réalité, les grands
théologien, whatever it is, qui te font faire recherche, tu as des interprétations. Le chiffre 6, dans l'esprit hébraïque, dans la culture hébraïque, de toujours consacrer le chiffre 6 à l'homme. L'homme. Depuis qu'on dit 6, yo ouais l'homme, parce que l'homme a été créé le sixième jour. Faites très attention à ce que je dis là, parce que c'est très fondamental. Dans la culture hébraïque, les astres, t'aimes bien, les astres et les animaux, les astres étaient toujours considérés au chiffre 4. Les animaux, le monde, le règne animal, étaient toujours considérés au nombre 5. Comprenez bien ça, m'a dit à la poule, un pile monde passé, après le saisir, mais, bagaille, il y a un sens pour nous comprendre. Il y a un deuxième chiffre, que bon Dieu remet en pile, dans la Bible, qui c'est 12. Nous voyons les 12 tribus. Nous voyons les 12 apôtres. Mais attention, 24 veilleurs qui c'est 12. D'abord, nous voyons que chiffre 12 ça, il y a un rapport avec ce qu'on appelle le gouvernement. Maintenant, pour gouverner. Ouais. Comprenez bien, ça m'a dit, 12. 12 tribus, 12 disciples, 12 et les chandeliers d'or, 12 qui ont rapport avec gouvernement. Pour voir comment pour gouverner le gouvernement de l'homme. Attendez, bien ça m'a dit là. Il y a un autre chiffre, que bon Dieu remet encore qui c'est 7. Attendez bien. Bon, l'autre chiffre, il remet encore qui c'est 7. Par exemple, 7e jour, il crie, c'est 7 perfections. Il mettait sol. À chaque fois, il revient dans 7. Ou après, à chaque fois, Dieu arrive dans 7. Il va jamais aller dans 8. Faites très attention à ce que je dis là. À chaque fois, Dieu arrive dans 7. Il va jamais aller dans 8. Il retourne dans 1 encore. Comprenez bien? Pour qu'il retourne dans 8. Je vais le montrer nous. Depuis qu'il arrive dans 7, il campe. Il start over. Égale perfection. Maintenant, il dit 7 jours. 1. Ça, c'est 7 jours important. 7. Église. 7 étoiles. 7 chandeliers. 7 sceaux. Parce que Apocalypse nous couvre avec 7 chiffres. 7. Maintenant, à chaque fois qu'on arrive dans 7, 7 là, c'est que mission ou bien volonté divine, arrivée. Accomplissement. Comprenez bien ça, ça veut dire. À chaque fois, on arrive dans cette là, elle a dit que chronologiquement parlant, alors, on dit chronologiquement parlant dans le sens de l'intervention de Dieu dans les affaires humaines, mais dans le, même au niveau spirituel, chronologiquement parlant dans le monde, ça veut dire kairos là, à ce niveau-là, l'arrivée à complétude, l'arrivée à aboutissement. Ça, c'est-à-dire la volonté divine y accomplie. C'est ça, cette là. Cette là veut dire que la volonté divine rivée à son accomplissement. Agenda rivée à terme. C'est ça, il veut dire. Maintenant, dès pour arriver dans cette là, t'as 7. C'est ça qu'on parle, ouais, même après cette là, il y a une année de grâce, même bagage, il y a 7 fois de réalisme. Maintenant, pour approfondir, pour aller plus loin. L'heure du 666, c'est le nombre d'hommes. Faut nous faire très attention. Faut nous faire très attention. Côté bagarre la piégé. Et c'est ça t'explique inquiétude. Apocalypse chapitre 14, 9 et 10, dit yon bagaille. Il dit tous ceux. Tout le monde qui acceptait. Prends Macbeth là. T'as bien, oui. T'as bien, ça le dit. 14. Yo même tout, y a boué. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Depuis ces moun qui potait Maxa sur yo, Macbeth là, y a participé dans le jugement. Punition, colère, bon Dieu, pour le gagner, pour le vider sous bête là, avec prostituée. Faites très attention. C'est mal où il vient nous montrer nous, gon prostituée qui chita sous bête là. Comprenez bien, il y a une prostituée. Parce que même dans le livre, gon prostituée
qui chita sous bête là. Et li gen yon kalis nan men ki gen vin. Vin sa, son faux, son mauvais vinye. Son vin, en d'autres termes, faut nous comprendre. Son vin qui porteur de la mort, parce que vin sa, li gen yon fausse doctrine. Vin sa son vin de fausse doctrine. Vin sa son vin qui la pour bay mauvais enseignement, pour bay mauvais bagay. Ou pas le pi devant. C'est son étude qui très complexe, mais en même temps tout, faut comprendre, ma boîte li dan pour ka comprendre. Li dit depuis c'est moun qui t'a accepté comme Macbeth là, yo tout après elle fait face avec colère bon Dieu. T'as bien qu'on comprenne bien. Maintenant, yon nan bagay qui important. Yon nan bagay qui important pour n'apprendre konnen. Gen des avertissements que le bail sous question. Mac de la bête là. 666. Li parlait aussi de la Babylone la grande. Je bien ça va dire là pour qu'on comprenne côté Mbalia. Ma montre nous le symbolisme qui caché. Il y a deux femmes. Bible a parlé de lui dans l'Apocalypse. Il y a la femme vierge qui c'est l'église. Il y a la femme prostituée. La grande Babylone. OK? Faites attention, qui gon figure, il décrit, il dit comment la bible, il parle d'or, il gagne ceci, il gagne cheveux, ceci, cela. Là, il montre comment dame ça, si c'est un prostitué, faites attention, mot prostitué important. Mot prostitué important. C'est une femme, en d'autres termes, qui sont l'église, mais qui prostitué. Prostitué, il dit que, li entre dans relation avec bête là, li prostitué avec li mélanger, li faire tomber dans apostasie. Ça prostitué. C'est-à-dire li pas garder virginité, li pas garder pureté. C'est ça. Li pas garder pureté, li prostitué tête li avec les rois de ce monde, c'est-à-dire les gouvernements, c'est-à-dire la bête, li prostitué tête li avec. Et puis, Texas dit comme ça, il y a boué vin. Et attention, il y a gros yeux. Vin, il y a boué, il y a bagaille, il y a pas plaisir, il y a séduit le monde. Maintenant, on a les plus loin pour me comprendre dynamique là. Mboko Bray dit qui est-ce qui dit. Mais, ma banou repère symbolique. Repère symbolique. Il y a deux femmes, il y a une femme qui vierge, il y a une femme qui prostituée. Texas. T'aimes bien. Et, les mélanger, les chita sous d'eau, bête. Nous parlons de bête là, puis devant, c'est homme. Parce que nous parlons de là, vous parlez de bête. Maintenant, c'est la Bible qui a interprété tête, encore. Maintenant, pour nous comprendre bête ça, que femme dans chita sous l'ia, faites attention, pour nous comprendre bête ça, que femme prostituée à chita sous l'ia, faut aller dans Daniel, dans le livre de Daniel, pour aller comprendre prophétie Daniel là. Les Daniel te ouais, non vision, quatre bêtes qui sortent de la terre. Faut comprendre bien. Ça qu'a fait là. Et pas bagaille comme si vous levez un bon matin, vous venez de notre. Maintenant, l'homme bien comprendre. Et vision Daniel, avec statue Daniel de ouais. Les statues qui te gagné, ou à camper là, de ou à faire rêver là, où elles font statue qui campe, ou une statue de camper. Vous prenez, tête lissée, tête d'or. Patatita, patata, vous prenez tout quoi lui c'était bas. Ça, c'était la Babylone. Pas oublier, à l'époque, le peuple Israël était en captivité à Babylone. Lorsque Daniel fait vision ça. Vous comprenez bien ça, m'a dit. Lorsque Daniel fait vision ça. Il était en Babylone. Maintenant, bon Dieu décrit pour lui, non façon symbolique, événement qui pourrait passer dans le monde là. Dans le temps. Premièrement, il y a une statue composée de différentes métaux, de métaux précieux, plus précieux qui c'est l'or, pour arriver dans métal qui moins précieux qui c'est argile. Comprenez bien? Ça m'a dit à la pour qu'on comprenne. Maintenant, il dit que, d'abord, il dit que, Daniel, par interprétation, tête là,
représenté roi Nebuchadnezzar avec le royaume Babylone. Maintenant, il y a un peu de monde qui ne comprend pas qui c'est Babylone. Babylone, c'est ça qui est Irak, je dis à la. Babylone, c'est ça nous considérons comme Irak. Babylone, c'est côté, bon Dieu te dit Abraham pour le sortir. Le bon Dieu dit Abraham, quittez pays par rapport là, quittez Ur en Chaldé. Quand vous dites les Chaldéens, en quelque sorte, c'était non attribué aux Babyloniens. La Babylone, qui se trouve de l'autre côté de la fleuve Yorélé, Euphrate là. Faut qu'on ait le bagage ça au bien. Pour nous pas battre tête, nous, faut qu'on ait côté au placé histoire. Ça, en Mésopotamie, bien entendu. Babylone, Mésopotamie, il traversait par deux, il séparait, bien entendu, par deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, qui sortit en l'air de la Syrie, et la Syrie, capitalité, à l'époque, Calibadan, Ninive. Nous pouvons comprendre, bagaille, ça, on les voit faire, puis devant, c'est ça, c'est un autre paquet, l'autre bagaille. Faut faire géopolitique, faut étudier les civilisations pour comprendre, un paquet de bagaille de base. Maintenant, on avance, pour nous retenir ça. Deuxième royaume, non? Deuxième partie, non, quoi, qui c'est l'estomac, ou en bas. Le doux, c'est les merdes et les perses. L'empire, mais deux personnes. Effectivement, l'empire, mais deux personnes, pour le take over. L'empire, mais deux personnes, pour le take over. Babylone, ou Nebuchadnezzar, va le tomber. Il va le tuer, et Belshazzar. Faut comprendre, bagage, ça, ou bien. Et puis, l'empire, mais deux personnes, pour le take over. Mais toutes les saillots, Daniel, en captivité, toujours. Malgré bataille sa fête, Babylone tombé, Babylone bagaille. Mais, l'empire métropolitain, y'a pas le kembe, n'est jusqu'à la reconstruction du temple, au point avec Esdras et Néhémie, et puis automatiquement, tout le monde y'a pas arrivé dans la dimension ça pour faire ça. Okay. Maintenant, là, vous me quittez ça, tout bas, ça, monsieur Praloué, parti qui en bas, explication, y'a pas représenter la Grèce. L'empire grec, les Grecs pral envahi, en l'an 333. Pral envahi. Mais des Perses, automatiquement, avec Alexandre le Grand, yo pral, prend contrôle. Et, femme dit nous tout. Et, là où les Perses, c'est l'Iran. L'Iran. Ok, l'Iran. C'est toujours l'Orient. Ok? Maintenant, vous pral gagner la Grèce, l'Empire grec pral te couvert avec Alexandre le Grand qui pral mourir. À la mort de Alexandre le Grand qui pral mourir à 33 ans. Faites attention. L'Empire va le diviser en quatre parce que quatre généraux pral discuter et legacy. Et Alexandre le Grand. Maintenant, dernier royaume, qui c'est Pio qui peut paraître dans rien pour arriver dans Pio, ça c'est la Rome. La Rome pour le découvrir, l'Empire romain pour le découvrir. Il va le diviser en deux. Vous parlez de deux Rome, vous parlez de Rome oriental et vous parlez de Rome occidental. Maintenant, pour un pile non, nous qui va finir de comprendre. Les Jésus. Pour le mourir, Jésus chita. Sous moi, Olivia, l'a regardé avec disciples, l'a regardé templant, et il dit disciples comme ça. Faites attention. Gon bagay qui va arriver là. Jésus qui a prophétisé. En vision, il dit gon bagay qui va arriver. Il dit bagay ça va arriver là, c'est que, nous, tant ça, il pas prêté en pierre, la donne qui pas tomber. Ah oui, tant ça, c'était bien fait, et what de nègre fait temple, son temple qui était en pile, l'eau, la donne, mira, y'a été fait en l'eau, bagaille, y'a été peinturé, l'eau, en dedans. Les Jésus prophétisaient parce que les disciples étaient fiers de temple, ils m'ont dit, bon, tant ça va le tomber. Maman, bon, temple va le tomber, événement, Jésus a dit, pour arriver. Effectivement. Et, effectivement, n'est-ce pas arrivé non point? N'est-ce pas demandé, mais comment qu'il est baissé à voilier? Jésus dit, n'est-ce pas, faites attention. Plutôt nous prier pour situation, ça pas arrivé. Attendez bien ça, Jésus dit, n'est-ce pas. Plutôt nous prier pour événement, ça pas arrivé. Attendez, oui. Yon jour de sabbat, ou bien en hiver. Comprenez bien? En hiver, ou bien au jour de sabbat. Il dit, piga, femme enceinte, pas pour un côté pour mettre corps, ou même si tu es dans l'âge, tout est dans l'âge, parce que, effectivement, en l'an 70, après Jésus-Christ, en l'an 70, le général Titus de l'armée romaine envahit Jérusalem, crasé le temple, tué, pifoumoun,
à Jérusalem. Tel que Jean-Christ est prédit là, exactement, c'est ça qui passe. Maintenant, on a des biens pour aller. Dans la vision, ça, bon côté, bon Dieu pourra révéler Daniel. Daniel pourra le que, il y a 4 bêtes qui ont sorti dans l'armée. Faut comprendre. Faut comprendre le bagage ça ou bien, parce que si nous ne comprenons pas, il n'y a pas de problématique. Ok? Bête ça, c'est encore puissance que vous représentez. Que vous représentez. Les royaumes, les empires. Premier bête là représenté. Babylone. L'empire babylonien. Deuxième bête là représenté. L'empire médo-persan. Troisième bête là représenté. L'empire. Grec. Quatrième bête là représenté. L'empire greco et romain. Maintenant. Yon nan bagay pou nan apprenn konnen. C'est qui empire qu'a dirigé là? Les odou, les petites cornes, les petites cornes ou bien les cornes dans l'Apocalypse, ils représentaient les dirigeants. Apocalypse, l'elle dit cornes, ils représentaient les rois ou bien les dirigeants. Les odou, la petite corne des blessés, c'est-à-dire c'est un roi. Ça, c'est un rapport avec le général et les général les général de France. Berthier était arrêté le pape. Ça, c'était la petite conne qui était pour un coup. Faut comprendre le bagage ça, ou bien faut comprendre l'histoire ça, ou très clair, faut comprendre dynamique ça. Ou. Et maintenant, attendez bien pour comprendre ce que je vais dire là. Pour comprendre dynamique ça, Mac de la bête là, faut comprendre ça de Babylone, non? La Bible. La Bible parlait de deux Babylones. Guillaume Babylone, c'est Genèse 6. Babylone Genèse 6. La tour de Babel, que Nimrod construit. Il y a un bagage pour me kembe comme secret dans Genèse 6. Et là, je vais avec nous pour me comprendre ma bien la bête. Dans Genèse 6, quand ça le dit, verset 1er, il dit toute la terre. Non, dans Genèse 11, verset 1er. Il dit toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre te gagne une seule langue et les mêmes mots. Premier bagage pour nous considérer dans Babylone. L'unité linguistique. L'unité linguistique. Une seule langue. Deuxième élément pour nous considérer. Dans Genèse chapitre 11, c'est côté au sorti. Comme, verset 2, comme il était parti de l'Orient. Il y a une seule langue. Il est sorti un seul côté de l'Orient. Maintenant, faites attention. Ils étaient les fils de l'Orient. Ils ont venu dans plein milieu les Chinois là. Ils ont quitté l'Orient, ils ont venu. Et puis, automatiquement, ils parlent en seule langue. Ils ont construit un tour pour échapper avec un jugement divin. Parce qu'ils étaient victimes de ce qu'on appelle bagaille. Quand on va comprendre une question, là, on dit nous, ils ont sorti de l'Orient, fils de l'Orient, premier projet qu'ils ont entrepris, c'est comment ils ont échappé à jugement, bon Dieu, pour, parce qu'à cause de déluge. Premier travail qu'ils ont fait, ils ont organisé tête ensemble, ils ont pris un projet pour construire un tour. Babel. Qui signifie la porte de Dieu pour y monter en haut. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser les moyens humains, moyens païens, pour y monter en l'air. C'est ça l'idée. Premier élément pour nous considérer. Ça, c'est le premier élément pour nous considérer. Dans Babylone ancienne. Maintenant, projet ça. Les gars entreprennent, non? Dieu descend, il clague confusion, il crée confusion. Pour n'y a pas qu'à comprendre, rien encore. Maintenant,
C'était la première forme de gouvernement mondial. C'était première forme de gouvernement mondial. Babylone. Et c'est première forme de mondialisation. Première forme de mondialisation. Comprenez bien ça, m'a dit. Genèse, chapitre 11. Mais, eh ben, sous ça, m'a besoin de prêter attention. Sous ça, m'a besoin de prêter attention. C'est, y'a pas les mêmes langues. Et, y'a sorti même côté en Orient. Mot clé, pour nous qu'il y ait là, c'est l'Orient. Maintenant, après, comme ça, là, on dit même langue. La langue, c'est un fait culturel. Yo sorti avec culture yo en Orient. Manière de penser yo. Manière de faire yo. Idéologie yo. Vision yo. Conception yo. C'est ça, la langue. À travers langue. Langue, c'est son système de symboles. C'est un langage. C'est l'esprit qui véhicule à travers une langue. Énergie spirituelle qui vient avec là, c'est en avec langue. C'est ça que vous pouvez entreprendre ça. De mon seule vision des choses. Faites très attention, vous posez ma parole là. Maintenant, culture ça, vous pouvez le développer. Et, bon Dieu crée confusion, vous pouvez pas parler entre vous, tout le monde pourra écarter, vous pouvez éparpiller selon l'angle, avec même conception ça. Unité linguistique, vous pouvez diviser, mais, c'est même esprit qui pourra le diffuser à travers différents langages. Même croyance, même manière de penser, même manière de faire, mais sous différents langages, différentes pensées, différentes cultures. Pour bien comprendre ça, me dit là, Ali, et Kalion, un grand philosophe psychanalyste, les Kalion, attendez, Kalion qui écrit, qui parlait de ce qu'on appelle de collective unconsciousness. C'est une raison qui fait Égypte monter pyramide ou jouer une même pyramide ça a tout juste en Amérique avec les Aztèques. Faut comprendre bien les Mayas même bagage parce que c'est même esprit hein, qui diffuse sous différentes langues mais même esprit hein, était là, c'est l'esprit de Nimrod. Nimrod, c'était le petit-fils de Caïn qui sortit en Orient, le fils de l'Orient. Il faut prendre le temps pour nous connaître. Même l'esprit est toujours là, mais il manifestait sous différentes formes parce que, bon Dieu t'a créé et confusion, il t'a confondu l'esprit, mais l'esprit est toujours là. L'esprit est. C'est ça fait toute pratique pour l'arrêter même. Tout concept monde pour l'arrêter même. Toute vision, monde-là pour arrêter même. Toute conception, monde-là pour arrêter même. Mais, il pourra véhiculer les conceptions ça sous différentes langues. Mais c'est toujours la même chose. Et, le pire, c'est que y'a tout esprit ça, qui ça va derrière, il va derrière l'unité que t'es perdu avec la Genèse 11. L'unité mondiale. Globalisation. Mondialisation. Gouvernement mondial là, c'est lui-même, il va venir derrière, refait encore. C'est ça qui Babylone, la grande, que Dieu va dire nous, sortez du milieu d'elle. Et faites attention. C'est même bagaille, Genèse 11 ans, qui va le reproduire au niveau planétaire. Avec un seul gouvernement. Comprenez bien? Un seul gouvernement, parce que c'est la quête de l'unité mondiale. Ça t'est perdu, hein. Yo pral bap. Défi ça. Défi que Dieu t'est bas, yo, yo pral dé, yo pral délevé. Yo pral derrière les villes. Et yo n'a raison qui fait, Dieu t'est révélé. Dieu t'est révélé. Daniel, différent, bête, yo, avec statue, hein, qui représentait les empires, et mondiaux, qui doit dominer la planète là. Eh bien, c'est parce que, normalement, bon Dieu t'est bas, un temps pour ça. Bon Dieu, bah, yon temps pour y arriver à projet ça. Parce que c'est l'esprit, hein, qui travaille.
L'esprit a besoin pour le gouvernement mondial pour établir, pas oublier l'esprit ça qu'on a parlé. Qu'est-ce que l'esprit ça est? L'apôtre Paul dit l'esprit ça c'est Satan le diable, parce que Satan est le prince de ce monde. Le dieu de ce monde qui aveugle, qui obscurcit l'esprit et l'intelligence des hommes. C'est le dieu de ce monde. Le dieu de ce monde dit qu'on seul objectif. Unifier le monde. Permettre à ce que le monde vienne chita en bas en seul gouvernement. Et puis pour le dicter, c'est ça l'ordre mondial. Tout ça, elle a fait. Et c'est ça Jésus t'a dit, a bien guerre et de bruit de guerre. Mais Jésus dit, ouais, tant de parler de guerre et de bruit de guerre, a bien tremblement de terre, a bien la fin. C'est ça, il dit. Ce sont ces bagages qui peuvent permettre Mounio adhérer, entrer en bas, protection gouvernement mondial là. La guerre. Bah, bon exemple, des deux guerres faites en Europe. Ou pas l'Europe fin fait de guerre et puis a cherché la paix, a pas unifié yo, yo cherché la paix, yo mette l'Union Européenne sous pied. Ou pas trois guerres faites en Afrique, ou pas l'Afrique commence à mettre tête en point, ensemble, yo forme ça et l'Union Africaine. Ou pas un gros travail qui a aller dans le sens de l'organisation. Mais, pour pas oublier, dynamique là, toujours changer que c'est dans dimension économique là, la commencé. Pas jamais oublier ça. C'est dans dimension économique là, l'a commencé. C'est-à-dire que toute approche régionale ou dans des affaires, c'est toujours dimension économique là. Mondialisation, globalisation, yo vinn faire planète la tourner, ce qu'on appelle un marché, un village côté tout le monde va changer. Dernier grain coup qui va tomber là, c'est que pas bon seul l'argent ou bien toute bagarre va conformer son l'argent, c'est le gouvernement mondial pour établir pour bailler les grandes directions. Maintenant, Pour arriver là, il y a un bagage qui est important encore pour comprendre. Gogo, c'est un bel bagage. Il y a un bagage important pour comprendre. À qui ça a été sorti dans l'Orient? Nous pas entendre qui ça qui les fils de l'Orient. Nous même non. Il y a un pile dans nous qui pas comprendre ça de fils de l'Orient. L'Orient, c'est là où le soleil se lève. Et on dit les fils de l'Orient. Nous qui doivent finir comprendre. Les fils de l'Orient. L'Orient, c'est là où le soleil se lève. Nous pralouais. Toute religion nette qui te prend racine à partir de Babylone, avec l'air Dieu descend, toute religion ça adorer le soleil. Tout met à genoux devant le soleil. C'est clair, pas de menti là dans les fils de l'Orient. Dernière classe. Pas de yon. Qui pas mettre à genoux devant les soleils, qui pas adorer les as. D'ailleurs, pas une religion qui prend racine à partir des fils de l'Orient, qui pas utiliser astrologie. Pas une mentir là-dedans. Tout étudie, tout utiliser astrologie. Tout fait astrologie, tout fait divination, tout fait pratiquer la magie, tout fait occultisme, tout des sociétés secrètes, dernier classe net. Gain occultisme là-dedans. Pas une mentir. Toute religion ça ou la net. Maintenant comprenez mieux. Fils de l'Orient. Gon bagay qui va le passer. Et bah, va le dire. Dans Deutéronome chapitre 4, verset 19. Deutéronome chapitre 4, verset 19. Entendez bien. Ça le dit. Deutéronome chapitre 4, verset 19. Premier remarque qui va le faire. Dans Deutéronome, chapitre 4, verset 19. Bon Dieu pral baye peuple Israël là un avertissement. Le spiritisme. Bah, un avertissement. Deutéronome, chapitre 4, verset 19. Tendez ça le dit. Dieu dit à peuple Israël là. Il dit, veille sur ton âme. À peuple Israël là, il a parlé. Veillez sur ton âme. Ça sont l'autre. Sont si montré dans texte avant de Théonome chapitre 4 pour m'a décortiquer la voix. Ou pour avoir ces bagages tête chargée pour m'a faire exégèse chapitre 4 pour m'a contrôler et de Théonome 4. Les dieux dit veille sur ton homme, sur ton âme, de peur que levant les yeux vers le ciel. Ah ouais, une question. Dans mythologie égyptienne, dans le ciel là, c'est Nout. C'est la femme. Nout.
Levez les yeux vers le ciel. Et voyant le soleil. Et voyant le soleil. La lune et les étoiles. On m'a quitté le moins, ouais, pas occupé, moi, lui. M'a bloqué le confini. Même quitté là. Voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Bon Dieu, bah, peuple Israël là au avertissement. Il dit, peuple Israël là, faites attention. Il dit, faites attention, veillez sous nom nous. Pour les nous lever genoux, on les pour nous soleil là. Là, l'union des étoiles, pour nous pas à le poster ni devant vous, mais à genoux devant vous. Et puis pour nous rendre en culte. Et gros, vous avez effectivement, gardez-vous. Et ça a passé. Quand on va demander comment vous rendez en culte, comment nous rendons culte à soleil là, comment nous rendons culte à la lune, comment nous rendons culte avec étoiles, on a regardé vous. Elle a appelé le monde, elle a appelé le monde, comment nous? Bon, j'ai dit, ça n'a du tout, non, il y a avertissement. Pas oublier, fils de l'Orient. L'Orient, c'est là où le soleil se lève. Faites attention, faut nous comprendre bien la dynamique là. Et nous pouvons comprendre plus loin, ça, ça veut dire. Maintenant, ça va quoi, hein, là? Ça va quoi, hein? Dans Ézéchiel, elle a balayé avec nous pour nous comprendre. Dans Ézéchiel, bon Dieu, elle dit, qu'est-ce il y a un travail qui a passé dans le temple. Bon Dieu, il prend Ézéchiel. À Jérusalem. Il va dire Ézéchiel. Il y a un travail qui a passé dans le temple. Vini moutou. Bon Dieu, vini par avertissement. Bon Dieu, vini par avertissement. Et puis, il y a un zin qui a pété. Qui ça n'est pas fait? A dit dans le temple. Tu me dis, nous ça n'est pas fait. Gros prétendé dans l'église, gros sacrificateur dans l'église, en dedans dans le temple. Vous voyez ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas rangé koyo? N'est-ce pas rangé koyo? N'est-ce pas rallé? Yo met à genoux, yo tourné facio vers l'Orient. Côté soleil a levé. Pendant que vous tournez face vers l'Orient, côté soleil a plevé, vous mettez à genoux, vous avez posterné en dedans de temple. Vous avez fait rituel en dedans de temple. Dans le temple éternel. Dans le temple éternel, vous mettez à genoux, vous tournez face vers l'Orient. Vers le Dieu soleil. Alors le soleil se lève. Et puis vous mettez à genoux. Il a posterné devant le soleil. Le pire, c'est qu'il a fait des rituels en dedans, côté où il y a un paquet de femmes qui a fait orgie en dedans, en tant que mondial. Bon Dieu, pour Ézéchiel, en esprit, il a mené la vie à le travail qu'il a fait en dedans, dans le temple. Il a fait pratique occultiste. Dans le temple, dans mes temps, il doit faire travail ça. En dedans, temple. Sacrificateur. Il doit faire grosse cérémonie. Et puis, à qui est-ce? À qui Dieu ne doit faire travail ça? À Dieu soleil, il met fashion dans l'Orient. Il a fait travail là. Mais il pense que bon Dieu, bah ouais. Parce que énorme, il doit faire travail. Mais, pendant Ézéchiel bougeait la calibre, bon Dieu prend Ézéchiel en esprit. Il met une mission à louer travail, il doit faire. Dans mes temps, dans nuit. En dedans, temple. Je me bloque déjà. Je vais bloquer le longtemps. Maintenant, bagala tellement, bah problème. Bon Dieu irrité, il fâche contre Négio. Pour question adoration soleil là. A fait ouais, non, même là, même dans culte égyptienne, yo, en Kémitis, non,
religion atomique là. Ou yon dou Ra, le dieu soleil. Maintenant, faites attention. Malmen yon bagay avec nous. Toute religion qui soutient en Orient, le considérer soleil là comme Dieu. Yon nan religion qui pral infiltrer l'église. T'as bien, il y a une religion qui peut infiltrer l'église. L'église, bon, d'ailleurs, c'est une raison qui vient, bon Dieu, te faire jugement avec Égypte à cause de l'adoration du Dieu solaire. Le disque solaire, nous parlons là, ok? Ou bien à tout, qui est le disque solaire, nous parlons que bon Dieu prend, va faire un jugement avec eux pour montrer puissance, parce que vous n'avez pas adoré Dieu solaire, là, vous n'avez pas adoré ceci, cela. Nous parlons que pratique idolâtrie que vous avez fondée dans. On s'est dit, bête bagage, ou pas le prendre en cours. Peuple Israël l'a pral tombé à cause de ça, tombé dans l'idolâtrie. Bon Dieu, pral taper yo. Troisième élément clé qui va gagner, c'est que c'est là que le mitraïsme qui est une religion orientale, parmi les religions à mystère, va influencer l'église. Avec qui est-ce? Avec Constantin. C'est Gokozé. Mais pas pour moi qui ne comprendre la dynamique. La bête, son puissance, c'est un empire. C'est normal pour prendre des décisions. C'est normal pour prendre une autorité, il faut le prendre pouvoir. Mais faites attention. Il y a des décisions, bête, là, va le prendre. Bon Dieu, Gétan avait dit nous de lui. Qui décision le prend? Bon Dieu, Gétan dit que bête ça, pour prendre des décisions, pour imposer des décisions. Faites attention pour ne pas tomber là-dedans. Il dit, il essaiera de chanter. Attendez, depuis Daniel, lui, bon Dieu, m'a averti ce ça. Il dit, bête la gagné, la pral bac pour changer les temps et la loi. Il y a deux bagages pour nous apprendre à connaître. Les temps et la loi. Pour quelle raison les temps et la loi? Parce que ce sont des bagages qui ont rapport avec le calendrier. Le temps. Deuxième élément, loi. Donc, tout le monde qui ne peut pas comprendre ça, vous ne dire pas là. La loi fait référence au gouvernement juridiction. Le temps fait référence aux événements. Événement avec chronologie, c'est gogozé. Maintenant, pour qui raison, bête la balle pour changer temps avec loi. Parce que bon temps que Dieu établit. Gagnons loi que Dieu établit. Tant ça, c'est lui-même qui dit que le monde créé en 6 jours. Attention à ça, m'a dit, le monde créé en 6 jours, Dieu reposa le 7e jour. Ça, c'est la doctrine de la création. Ça, bête la pral utiliser tout moyen pour remettre la doctrine de la création en question. Le bagay le monde créé en 6 jours, Dieu reposé 7e jour, c'est la dot. Ça, c'est le temps de Dieu. Je n'ai pas d'accord. 7e jour, création, c'est seul Dieu mettait sous création qui dit c'est boss li. C'est lui mettre li. C'est lui mettre création. C'est le sol de Dieu. Le sort de la création. Et ça te dit, tiens, à chaque fois que vous arrivez dans le 7e, vous reposez, vous reconnaître que Dieu est le créateur. À chaque fois que vous arrivez dans le 7e, vous reposez, vous reconnaître que Dieu crée le monde. Le monde pas, les mondes pas sorti dans l'évolution, les mondes pas sorti dans bing bang, les mondes pas sorti dans, et le monde pas sorti dans bing bang, bing bang, les mondes pas, si c'est pas évolutionniste, les mondes pas dépendent de Darwin. Le monde sorti dans la création de Dieu. Bon Dieu mettait seul sous lui. Ça, c'est le temps divin. Dieu dit, mettez somme sous ça. C'est le sceau de la création. Pas de monde qui a volé la création. Le sceau, ça veut dire ça. Ça veut dire, c'est moi qui mettre lui. C'est moi qui propriété. C'est moi qui créer.
m'selé. Tout ça qui est écrit, non, c'est un, c'est lui-même qui crée. Bête, c'est lui-même qui crée. Zani, soleil, la ligne, c'est lui-même qui crée. Maintenant, qu'en est-il de la loi? Si c'est, si temps, si c'est septième, non. Ainsi, en sept jours, il crée le monde. Mais s'il crée, c'est lui pour bailler. Elle pour dire comment pour fonctionner. C'est la loi. C'est lui pour bailler loi. Comment pour fonctionner? This is the shit. Septième, non, c'est ce qui dit que lui c'est boss là. C'est à faire parler et création, c'est pour lui. La loi veut dire que lui des juridictions sous création. C'est lui qui pour dire ça qui est bon, à ça qui est bon, pas bon dans la création. C'est lui, elle a un problème. C'est ça qu'elle va dire, bête là. Pour le battre pour changer le temps et la loi. Il va le battre pour changer le temps et la loi. C'est là le problème, comment c'est quoi commencer? Pour qui raison c'est le temps et la loi ou pas le premier problème, temps, pour le battre à changer, ça le va le faire. Pas oublier, au quatrième jour, Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles au quatrième jour avec pour fonction pour marquer le temps. Gogo zéro quatrième jour. Bon Dieu beaucoup créé l'homme non? Bon Dieu beaucoup créé les animaux. Ou même qui peut comprendre pour qui raison au quatrième jour bon Dieu beaucoup créé l'homme beaucoup créé les animaux beaucoup créé l'homme beaucoup créé les animaux pour le temps créer les astres des cieux. Lui créer les astres, lui créer les étoiles, lui créer la lune. Pour qui raison lui créé pour servir avec les animaux. Pour servir comme énergie, ni pour les animaux, ni pour l'homme. Et le météo là pour présider. Maintenant, réfléchis bien pour comprendre. Réfléchis bien pour comprendre. Pour qui raison, nèg orient yo, choisi mettre à genoux devant le soleil? Pour qui raison, nèg orient yo, choisi adorer le soleil là comme Dieu? Pas oublier le soleil là, vous considérez le. Comme source de lumière. C'est gogo c'est ma banou là. Les luminaires. Yo prend les luminaires pour yo adorer yo comme Dieu. Yo voyon culte avec les luminaires. Maintenant, tout ça c'est rusé. Faut comprendre bien pour comprendre. Maintenant, attendez bien. Dans la religion antique, dans la religion égypte là, premier, l'homme non. Attendez où? Mais comment bête la rusé? Bête égypte non t'es rusé. Comment pire? Il fait l'homme non. Mettagez nous devant soleil là, sous nos rats, Dieu soleil. Li fait l'homme, mettagez nous devant bête yo. Par exemple, rat li même gon tête faucon. C'est-à-dire que, ouais, toute divinité dans religion égyptienne yo, toute divinité c'est ça yo gagné yo forme animale à moitié humain. C'était, ces deux règnes qui étaient dominés. De la religion égyptienne. C'était le règne astral, le soleil, la lune et les étoiles, avec le règne des animaux. L'homme pas en rien. L'homme t'est coubé. Et c'est une raison qui fait Dieu font jugement avec elle. Dieu dit Abraham, m'a voyé petit tout non pays en Égypte. Yo pral fait 400 ans après ça m'a fait un jugement. Dieu t'a dit à Abraham pour quelle raison? Il pral voyer descendant là. Il dit son jugement il pral faire avec Égypte, il compte pour quelle raison? Il compte pour quelle raison pour le jugement avec Égypte? Et pour le faire jugement à Égypte, il est obligé descendre en Égypte via le Israël là. Parce que religion égyptienne là, li de esprit où ils prend la dame qui permet qui prend l'homme là. Li mette l'homme en bas griffe asio, li soumet l'homme en bas griffe zanimo. Pas oublier l'homme au sixième jour créé à l'image de Dieu. Et bon Dieu baille l'homme domination sur tous les animaux. Et bien, Égypte lui-même, li prend l'homme, li mette l'en bas, ni zanimo, ni asio. Ça veut dire c'est pour l'homme soumettre lui, ni avec l'esprit zanimo yo. Ni avec l'esprit astralio. Pour qui raison? C'est ça. Fait! Dans toute religion qui sorti, qui prend racine, en Orient, gardez pour vous, premier bagage, vous faites. Tout nèg qui n'a bagage diable satanique, dans occultiste, vous faites astrologie.
étudier le mouvement des astres. Un, c'est le spiritisme. Deuxième bagage nèg yo fait dans toute religion à base yo, c'est le culte des animaux. Nèg sa yo, tout esprit qui dans monde aux alentours ça yo. Dans monde qui devrait c'est animaux qui dominent. Même dans vodou animaux, animaux oui, Dieu couleuvre, oui Dieu ceci, oui Dieu bossou, ceci c'est this is the shit. Après dit au lieu que ou dominer image, imago de ya qui n'a ou monté Dieu te dit moi bon domination sur tous les animaux, tout bête de c'est pas en lui-même lui renverser l'ordre des choses. Il renverse l'ordre des choses. Premier bagage il fait l'utiliser le culte des astres pour renverser l'ordre des choses établi par Dieu. Ça, c'est le premier élément pour nous dire. C'est la première ruse, première forme de ruse du fait. Deuxième élément, hein, Michael a cherché un coton chita. Ou toujours a dit une série de bagages radotes ou pas qu'on est. Ou sont l'esprit qui est enfoiré et perdu. Ou bien un bon sens. Ou bien vous comprenez, toujours a bien radoté. Deuxième élément pour considérer. Tendez bien. Deuxième élément pour considérer, c'est question de loi. Ils laisseront changer le temps et la loi. Longtemps, t'es qu'on fait clair. Toute religion païenne, yo, t'es qu'on adore soleil naturellement, sans problème. Yo, t'es clair, t'es qu'on fait là. Maintenant, éloi Dieu. Il y a un pile monde qui va comprendre pour quelle raison Dieu bail loi, il bail commandement, il dit commandement. Il y a un pile monde qui va comprendre pour quelle raison. C'est à travers les 10 commandements qui reflétaient le caractère de Dieu. Dieu était obligé de faire pour révéler le caractère avec le peuple. Parce que ça qu'a fait qu'aux alentours, il est obligé de bailler 10 commandements pour dire, mais comment pour nous aimer l'image, la canon? Mais comment pour nous aimer l'image de IA? Parce que, ou pas canon l'image de IA? L'image de IA, en réalité, l'homme créé à l'image de Dieu, c'est à travers les commandements, les 10 commandements de Dieu pour qu'on ait qu'on pas descendre dans singe. C'est à travers les 10 commandements, pour qu'on ait qu'on pas descendre dans animal. Un, à travers les 10 commandements, il dit, premier commandement dit, je suis l'éternel ton Dieu. Ou qu'on ait bon Dieu. L'on dit l'éternel ton Dieu. Dieu. Qui crée ou reconnaître lui. Que imagine ou même. Et je pas de prendre nom en vain. Maintenant, on reconnaît que Dieu ça a les bons noms, ou pas qu'à prendre pour abuser. Il dit, troisièmement, là, là, les plus loin, il dit que, l'épini de génération en génération, et là, les plus loin pour le dire que, ou pas qu'à faire, ni image, ni représentation, et ou pas de mettre à genoux devant, ni chose en l'air qui se en bas, ou pas de faire idolâtrie. Voyez, genoux pour nous, ça m'a dit nous là. Nous pensez, c'est juin? Il dit puis go fait idolâtrie. Puis go fait ni image représentation et puis go prosterner devant. Gardez, al gardez toute religion aux alentours vous. Al tomber dans l'hindouisme. Tomber dans l'hindouisme, passer dans toute religion aux alentours pour juste vivre dans vos doigts. Et même en dedans l'église catholique. Gardez pour comment yo fait statue. Faites attention. Bon Dieu t'a dit puis ga remet à genoux. T'es avec puis ga remet à genoux devant les astres. Satan tellement risé, il va faire nous ménager nous devant les as. Et pas as encore qui problème nous, non? Il fait un dal bout de bras, il fait un dal ciment, et puis il dit l'homme ménager nous devant eux. Tellement Satan risé. You guys don't really pay attention, les diables, les Dieu dit que le serpent était le plus risé de tous les animaux. Tellement risé. Regardez, c'est pas problème soleil là seulement, non? Zasio, ou qu'on fait qu'on y a? Li prend un paquet de bout de bois. Li prend un paquet de bout de ciment. T'as oui? Li prend ciment. Li font des images. Et puis, il mette en devant. Et puis, il dit ça, c'est un tel. Ça, c'est saint ceci. Ça, c'est saint cela. Ça, c'est Azili ceci. Ça, c'est Azili Frida. Ça, c'est Azili côté ci. Ça, c'est Azili côté là. Ça, c'est côté ci. Ça, c'est côté là. Et puis, le pire, Gemoun, qui prend image, imago dei,
qui dans lui même là lui met à genoux devant un bout de bras devant un bout de mi que l'homme fait amen que l'homme fait amen maintenant l'elle dit dans Apocalypse mais activité mère l'esprit à croyance en garde bien pour nous l'homme n'en fait statue il fait statue et puis il doit mettre à genoux devant ou vinn li me balen devant statia ou re les statia à maman ou re les statia à papa mon pa jam gen lucidité spirituelle pour son c'est un mauvais esprit qui cache des statia qui a formé à genoux devant yon bout de terre yon bout de bagaille l'homme fait oh Dieu est esprit il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité ouais kaka maintenant l'homme moun sa a persévéré dans l'idolâtrie. Met à genoux devant bout de bras. Met à genoux devant bout de comment on le baza. Vie bagage quoi me souvle. Ou pas besoin de pécraser comme. Moun sa, li sou force malin, li sou force ceci cela. Yon nan raison qui fait ça, Jésus te dit ça. Ou a tant de parler de guerre, de bruit de guerre. Le monde a gagné sa les famines et tremblements de terre. Pour qui raison? Yon nan raison qui font pile moun met à genoux devant saint. Yon nan raison qui font pile moun koube devant, on se tombe dans l'idolâtrie, c'est problème grand goût. Tadem bien. Après, je, ouais, Christ pas dans tête, non? Christ dit comme ça, pas tant de parler de guerre. Depuis qu'on t'a fini la guerre, toujours une famine. Depuis qu'on t'a fini la guerre, toujours une destruction. Il dit tremblement de terre. Depuis côté de tremblement de terre, fin passé toujours une destruction, toujours une famine. Depuis ce côté qui tremblement de terre, il dit après de parler de guerre, de ceci, de cela, de famine. Comprenez ça le média là. Il connaît que Satan créait toute condition. C'est un bagage à pile mon pas comprendre. Pour qui raison Jésus dit bagage ça parce qu'elle connaissait yo même événement mondial ça, Satan va l'utiliser pour le capable cocobé l'homme là pour soumettre l'esprit l'homme là. Depuis que tu n'y guerre de famine, ou prêt pour faire n'importe bagaille pour manger. Depuis que tu n'y tremblement de terre, de famine. Ou a prié n'importe bagaille pour jeune bagaille pour manger. Depuis que tu pauvreté en côté, de famine. Ou a fait n'importe bagaille pour manger. C'est ça que Jésus avait dit là. Un peu, mon bac, comment? Qu'est-ce que ça veut dire au dernier temps, mais signe, ou va reconnaître bagaille parce que c'est comme ça pour Satan créer. Votre diable a créé condition ça pour le préparer mental ou pour mettre à genoux devant. Pour le préparer condition pour venir derrière, pour venir nommer. Et qu'on a toute salle d'où l'imposant ou obligé à accepter. Toute salle d'où ou obligé à mettre à genoux. Toute salle. Et c'est effectivement gardé pour eux. Et c'est ça qui explique faux prophète tout. Jésus va l'avertir des faux prophètes. Il dit plusieurs viennent louer en mon nom. Il n'y a pas le séduit s'il était possible les élus. Gardez pour tout le monde qui a marché derrière prophète. Depuis ce monde qui a marché, vous parlez l'Afrique. L'Afrique, c'est côté qui a plus grand goût. Vous parlez prophète. Les donner faux prophète tout jusqu'à ce que prophète a fait manger Zeb. L'Afrique fait prophète manger Zeb. Vous parlez côté qui a grand goût même. C'est Satan, Dieu, je t'accorde là. Il faut que vous compreniez bien. Bien. C'est ça que Jésus va dire le juste vivra par la foi. Il faut comprendre bien. Mais Jésus dit le juste vivra par la foi. C'est parce que dans situation ça, yo. C'est celle qui a une foi qui a campé, qui va mettre à genoux, qui va plier, mais qui a campé, Dieu, qui a campé red pour gagner la foi en Christ. Parce que moun sa yo majorité, pour grand goût, pour le mettre à genoux, pour être manger ou pas manger, pour le mettre à genoux, yo pas suivre faux prophète, yo pas tomber dans séduction, hein, yo pas tomber dans séduction, prophète pour dire manger toilette, cap manger toilette. Faudrait pas dire, fais ceci, fais ceci. C'est ruse, non, ça, y a conditionné, c'est ce qu'on appelle condition. Y'a conditionné, pour préparer, pour capable soumettre l'esprit, avec toutes les forces ténèbres, ça, conditionnement. Jésus clair, l'oreille douce, ça, va pas de parler de guerre, de ceci, de pourtant de parler de guerre. Automatiquement, qu'elle a sauté. La fête dit, le Jésus vivra par la voix. Qu'elle a sauté. Depuis qu'il y a un saut, on va chercher un côté pour la sécurité, ou va aller derrière, c'est comme ça la réalité, aïe. C'est comme ça la réalité, aïe. Conditionné,
pour yo soumettre l'esprit ou, et puis pour yo permettre pour au-delà ou ka obéi. Et c'est ça pousseau qui faut allumer baleine. Et ça pousseau qui faut aller faire pèlerinage dans pied saint. C'est pour ça pousseau qui faut reler ou aller mettre à genoux devant un prophète pour prophète là faut faire tête. C'est ça oui, parce que normalement pas vivre par la foi. Ou vivre à partir de grand goût, ou vivre à partir de mauvaises conditions de vie. C'est ça qui fonctionner, qui faut vivre, qui fait manipuler, qui fait ça ou les avoir. C'est le premier élément, c'est préparation pour prendre mac de bête là, de la bête là. C'est la préparé mental planète là pour aller recevoir mac de là. C'est gogo yeux. Mais on bagage si. Et ben monsieur. Maintenant, il y a un plus gros problème qui gagne. Non, question loi Odia. Ou pas loi Wizon? Comment l'autre? Ou agent a changé loi? Est-ce que ou agent ennemi a changé loi? Il espère changer le temps et la loi. Démontrez-nous comment l'Ibac pour changer le temps ou agent a changé loi? Ah, mon cher. Bagay. Bon, Dieu dit pas fait idolâtrie. Idolâtrie. Yo mette bagay, bon, yo douce, yo. Même autorité, l'église, du pas besoin de percer, yo mette saint, ou mette adoré. Elle travaille. Cherchez, regardez pour qui l'église. Qui l'église qui prend commandement ça, et puis qui change, elle qui dit non, ou pas de problème, ou qu'a adoré saint, ou qu'a adoré, puis il mette un paquet de stats, il mette pour adorer. Bon, Dieu dit, puis qu'on fait image, il mette. Et il doit adorer, mette à genoux, devant faire l'élimination, mette à genoux. C'est basse qui au travail des mots, on allait pour nous. Qui l'église? Qui l'autre tout quatre qui fait encore à Rome? Quatrième commandement. Les dix, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours. Comprends game bien. Tu travailleras six jours. Tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos. Mais caca. Maintenant. Je ne comprends pas ce que je dis là. Attendez bien. Pour qui raison je dis ça? Et la piège a commencé. Pour qui raison je dis ça? Pour qui raison je fais quatrième dans tout nos commandements? Mais côté cacaroué. Je ne dis pas l'explication pour qui raison. Il dit car en six jours, Dieu créa les cieux et la terre, car en six jours, Dieu créa les cieux et la terre. Faites attention. À chaque fois où observez le sabbat de Dieu, ou reposez le septième jour, ou dit que Dieu est le créateur des cieux, la terre, la mer et de toutes choses. Chaque fois où observez le sabbat de Dieu, ou dit que Dieu est créateur ou pas, ou affirmer ou est fort que ou pas descendant singe, ou affirmer ou est fort qu'ou pas croire dans évolutionniste, ou pas dans théorie Big Bang, ou pas dans Darwin, ou pas soutenant singe, ou affirmer ou est fort que toute la création, le monde a été créé par Dieu, le monde est la création de Dieu. Et le septième jour, c'est le sang de Dieu. Et à l'observer le sabbat, on dit clairement que Dieu est le créateur. Dieu est mon créateur. Dieu est le créateur de toutes choses. Ou rejeter toute fausse doctrine. Ou rejeter toute fausse théorie. Ou rejeter toute ruse idéologique. Ou rejeter tout mauvais enseignement. Kabindou le contraire. C'est ça, fait oui, le sabbat. C'est ça, on fait. Le sabbat, ou glorifier Dieu. Ou dit, Dieu est créateur. C'est ça, on dit. L'homme, ou lever le sabbat. C'est ça, on dit. C'est ça, on témoigne. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ici, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. À la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage. Maintenant,
tourner dimanche. Ah. Vin tourner Sunday. Qui coûte 4? Qui fait 4e commandement vin tourner Sunday? Et vous gozé. Ah. Maintenant, faut comprendre la dynamique là. C'est travail bête là. Quoi le fait? Et travail bête là. Bête là, je dis. Religion orientale, yo. C'est ce qu'on appelle les religions paganistes. Les royaumes, lorsque l'Empire romain, au 3e siècle, prend confronté avec une crise, division en dedans, Empire là, la première chose que Constantin va le faire, faites attention, hein, gros yeux. Constantin va le convertir au christianisme. Mais Constantin pas imbécile. Constantin pas imbécile. Pendant Constantin a converti au christianisme, Constantin va faire des compromis avec les religions païennes. Constantin va faire une réflexion. Il va dire, ah, si je mélange, si je nous façon, faut que nous calcul pour unifier. Il y a des gens qui pensaient que Constantin était converti au christianisme et puis that's it. Non, Constantin n'était pas converti seulement au christianisme. Non, Constantin était confronté à un gros problème. Constantin était confronté à un gros problème. Problème division qui était gagné en dedans, en pilon. Qu'on y a Constantin obligé unifier en pilon. Qu'on y a fait un compromis. Premier compromis Constantin va faire, il va faire compromis sous sa aurélé. Il est converti dans le christianisme. Good. Maintenant, les missions convertis, ils déclarent christianisme comme religion officielle. Leur religion paniquée. Religion païenne qui était en dedans, empire, là, comment c'est fait? Paniqué. Qui ça, monsieur fait? Mais, monsieur, gardez bien, lui, ouais, toute religion païenne, yo, qui ont une caractéristique commune. Toute religion païenne, t'es une caractéristique commune. Toute religion païenne, t'es observé, t'es adoré Dieu, soleil. Contrairement avec juifs et chrétiens, yo. T'aimes bien, ça m'a dit là. Les constantes convertis au christianisme, les bails, et l'autre religion dans l'empire, y a un mauvais coup, qu'on y a bri, zé commence à péter, révolte, comment c'est fait? Ça m'y se fait. Qu'on y a là. Monsieur gardez lui ouais, c'est juif yo avec apôtre yo chrétien yo seulement qui te kon observer le sabbat. Mais li voye gel nan monde païen yo, li voye tout monde païen yo, yo gen belle fête yo qui fête les dimanches. T'entends bien? Li voye yo gen belle fête qui fête les dimanches, y a bagay c'est fête soleil, c'est si c'est là barati barata. Monsieur pas imbécile. Monsieur pas le font compromis. Monsieur dit m'va le marier tous les deux, m'va le prendre ni christianisme hein? Et puis m'a déclaré jour dimanche là comme jour de repos au détriment des sabbats. Monsieur Albert pour changer les temps et la loi. Monsieur c'est premier nèg qui fait pas la c'est première forme apostasie qui gagne c'est un premier coup Satan sorti pour le bail l'église. Depuis les Satan filmé de pile comme ça. L'église catholique tombée dans l'apostasie. Automatiquement, c'est destruction à fait. Inquisition. Détruit monde, guerre. L'église, donc, oui, l'église avec l'État, une foncelle. L'église avec Rome, une foncelle. Alors, j'hésitais, dit, bah, à César, ce qui est à César. Et à Dieu, ce qui est à Dieu. Satan dit bullshit. Ni bête là, avec ni femme, non, y'a tous les deux font belle alliance. Eh ben, c'est ça, Apocalypse. Dit, la bête, la femme, qui chita sur la bête. La femme, c'est l'église, la prostituée, qui chita sur la bête. La bête, c'est l'empire romain. Yo font sel, yo font alliance.
Ils font alliance. Et c'est ça qui va venir arriver avec Magdela Bep. Pas de mentir là-dedans. Magdela Bep, c'est clair. C'est allégeance. Vous va le bail. Est-ce que le gouvernement mondial, ça va arriver? Il va être clair. Le gouvernement mondial, ça va avoir une femme qui chita sous lui. Les femmes, ça sont l'église. L'église, ça commence à prendre forme œcuméniste. Et comment c'est prendre forme? A des menti là-dedans. Pour dominer le monde. Grand monde, vous parlez clair. Pas de question, vous parlez de le café sur lui. Non. Maintenant, vous parlez arriver non point. Il y a des jours où vous avez besoin pour férier. L'État ne peut pas le protéger encore. C'est l'âme de besoin de venir avant. Vous allez venir dire, oh non, moi-même, non. Vous allez dire, mais si je vous travaille, juste ça, c'est lui pour reposer. Maintenant, faut qu'à camper pour dire. Vous allez dire, non, d'accord, c'est là. Je vais dire, non, non, non. Et comme ça, va la balie. Maintenant, il n'y a pas un Mac. Vous allez prendre un chips dans mon, non. C'est que sous pas accepter, travail, non, ça va. Claire, pas de mentir là-dedans. Ou pas l'obliger, pas manger. Ou pas faire l'argent, pas travailler. Pas de mentir. Tout le monde va vivre, pas de mentir là-dedans. Pas de tête chaud là-dedans. Là, il va arriver, là, il va arriver, clair. Qu'on n'a pas choisi. Et c'est ça que fait Apocalypse dit. C'est ici la persévérance des saints. Qui garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. C'est là où on va le voir sous persévérer, sous ne garder les commandements de Dieu. Tout le monde sait ça. Tout le monde l'église. Tout le monde a dit Jésus, Jésus, Jésus. Tout le monde a pris les bénis par l'éternel. Tout le monde a dit gloire à Dieu. Mais les jours sont arrivés. Et les gens vont regarder sous caprena, sous caprena. Parce que juste ça. Quand on a un courage pour faire bon Dieu confiance, le juste vivre après la foi, pour dire non, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas changer. Je bon Dieu consacré pour jouer les hommes. Je ne vais pas adorer Dieu sous l'air. Je ne vais pas mettre à genoux Dieu sous l'air. Parce que ça ne va pas faire. Et celle-là, en pile, vous ne pouvez pas comprendre. Bon, bah, nous, l'autre secret. Pour tout le monde qui n'a pas fini de comprendre. Mitra, c'était le dieu soleil. Le dieu soleil, il est le dieu de la lumière. Il y a une grande différence entre Mitra et Jésus. Malgré, on montre des similarités entre Mitra et Christ, question 27 décembre, où est l'église catholique à vénérer, pas de rapport avec Christ, non? Christ pas de pièce côté, elle dit Christ est fait. Dans la Bible, Christ est fait 25 décembre. Ou qu'on qui est-ce qui te fait 25 décembre? C'est Mitra, oui. Le dieu perse qui te fait 25 décembre. Noël, là. Il n'y a pas biblique, non? Bagay ou est Noël, il y a dans l'estomac, non? Bagay, aucun rapport avec la. C'est le dieu Mitra, le dieu soleil. L'homme fête Noël. C'est le dieu Mitra, dieu soleil, ou pour fêter. Ça, c'est un premier élément pour remplir le monde qui va connaître. Deuxième élément. Pour nous tous qui pas qu'on est, qui est négo fait. Mitra ça dans des, Dieu soleil là. L'entend de Constant était déclaré tête li, le soleil invincible de sol, et sol invictus là. Soleil invincible. Le soleil invaincu. Et qui a ça parlé? Le Dieu soleil. Mitra. Dans la religion Mitra, il s'en. Tout ça, ouais, qui dit de Jésus, elle fait dans Mitra. Mitra fait lui. Mais à la différence. Mitra, c'est le Dieu de la lumière. Jésus est la lumière. Donc, la différence. Mitra, dans le mitraïsme, est le Dieu de la lumière. Le soleil. Le Dieu soleil. Jésus est la lumière.
Une grande différence. Jésus dit, je suis la lumière. Jésus pas Dieu de la lumière, Jésus est la lumière. L'apôtre Paul tellement allait plus loin pour banonti de mouvement diabla. Et tout, même Satan se déguise en ange de lumière. Si nous voulons comprendre ce que celui qui a de l'intelligence va comprendre, il dit, même Satan se déguise en ange de lumière. Satan connaît. Satan connaît par la lumière dans lui-même. Il connaît les par lumière. Il connaît les par rapport avec la lumière. Seul bagay li bon la donne vrai. C'est séduire moun, seule façon pour le séduire ou pour le déçuir ou pour le tomber faut tomber dans déception, c'est les li paraît li déguisé en ange de lumière. Maintenant bon gros mot l'apôtre Paul cité là qui s'est déguisé en ange de lumière. Comment pour reconnaître un monde qui déguisé en ange de lumière? Pour reconnaître un monde qui déguisé en ange de lumière, faut gagner lumière dans ou. Faut ces lumières. Seule façon pour reconnaître un faux, faut en vrai. Seule façon pour reconnaître un faux, c'est l'homme vrai dans mon. Et le pire, qui intérêt Satan vient pour le déguiser en ange de lumière? C'est pour le séduire. Ah oui. Pour le séduire. Ah! Maintenant, raison qui fait la séduire. Ah! Et gogo, j'ai oui. Comment on va séduire? La Bible dit ça. Oui. Jésus avait tout, mais comment on va séduire? Il a venu dans un homme. Il a fait des prodiges. Il a fait même diverses choses dans le ciel là. Tellement il a fait miracle. Mais tellement il a décollé. Jésus qui t'en dit, l'a fait des miracles, l'a fait des produits. Pas de menti là, donne. Pas de menti dans sa m'doule là, non? A fait des miracles, a fait des produits. Il a privé non, même dix fait l'a fait descendre dans celle-là, pour le séduire le monde, pour le montrer vrai pouvoir. Et elle a vini dans non, elle a vini dans non, Jésus. C'est pour grand merci, ouais, que tu as commencé à préparer le peuple là. Avec faux prophètes. Et les trois esprits qui sortent pour sur la terre. Pour séduire le monde. Oh, bagay saba. Ah, bagay saba. Moi-même, m'adore. Mais on l'a pris au coin pour. Oh, bagay saba, saba, ça m'adore tout le jour. Il y a un qui dit que ça, Jésus, ressuscité le premier jour. Oh oui, bagay sabba, ça m'aide de côté. Jésus tellement connaît l'importance sabba comme saut de Dieu. Jésus bat avertissement à disciples. Il dit, faites attention. Pour bagay qui va arriver sous Jérusalem, n'a pas arrivé en jour sabba. Si Jésus, t'es fini à sabba, pour que Jésus fait prophétie sur sabbat. Jésus mourit, il fait prophétie pour sabbat qui a venu. Pour que Jésus d'après nous, même l'Apocalypse, c'est 7, 7, 7, 7, 7 qu'il a donné. 7 chandeliers d'or, 7 l'église, 7 trompettes, 7 sceaux. Comment c'est son bagage qui jouait? Comment il dit? Si vous, ça m'a dit non, parce que c'est jouet m'a banou. Parce que c'est jouet m'a banou. Pour qu'il soit pensé. Pour qu'il soit pensé. Jésus passé sa bas en bate. Parce que là, m'a dit vous, non? Jésus va carré ressuscité dans sa bas. Jésus va carré. Pour qu'il soit passé en bate.
pour ça le passer dans le repos. Le problème nous arrive. Nous arrivons à un point nous tellement risier. Nous l'esprit risé mensonge dans chita la caille. Nous tellement entrer dans compromis, nous utiliser rise, nous utiliser rise, li met ça bas. Li décalé ré la donne pour raison li passer dans bas. Dans ton bout. Qui est-ce qui t'a appelé Jésus? Et papa parle. Et bon, bon, bagay, il a fait, s'il ressuscite Jésus dans ton bois. Comment c'est bon Dieu, imbécile? Je vais expliquer nous ça, ça veut dire. En pile, nous ne comprenons pas la dimension mystique, ça. Il a fait où nous? Il a fait où nous dans le cours comme ça? Ça bat ça. Jésus était en bataille. Signifie dernier. Il signifie septième dernier. Il est obligé d'être. Le Jésus ressuscité premier, il symbolisait venu Jésus. Tu m'expliques nous, il symbolisait la venue, le retour de Jésus qui prend le vin derrière tout le monde qui était mouru. Reposé dans lui-même. C'est la première résurrection. Ça, ça veut dire. Depuis ou mourir en Christ, vrai soleil là, vrai lumière qui c'est Jésus, à l'apparition de la lumière qui c'est Jésus, c'est lui seulement qui a l'évo. Il n'y a personne qui a l'évo encore. Pour commencer une nouvelle existence. You guys don't get it. Tout le monde qui mourit là, tout le monde qui mourit là, depuis un monde qui mourit dans Christ, ils ont entré dans le sabbat. Vous êtes entré dans le sabbat de Dieu. Spirituellement, des gens mourir en Christ. Mais faites attention. Des gens qui mourit qui pas contre le sabbat. Des gens qui mourit en Christ, mais qui pas au service sabbat. Ils n'ont pas qu'à monter sur le sabbat. Sur le sabbat. Il y a un monde qui dit qu'il a le prêché. Mais moi, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Le problème, nous avons. Nous ne comprenons pas l'esprit. Comment l'esprit fonctionne. This is the thing. L'esprit va mourir. Jésus dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et puis, corps. Rétez. Vous dites qu'il a le prêché. Quand je vais alléger, bon, lui mettre l'esprit entre les mains de Dieu. Et vous pas qu'à comprendre, l'apôtre Pierre dit, il était prêché au Christ. This is the thing. Nous tellement tombés dans mauvais enseignement, nous prenons couille. Et nous prenons couille. Moi, pas qu'on a vu l'alléger. Comment l'alléger? C'est le problème, nous, ça, nous pas comprendre l'esprit de prophétie. Qui se yon dans l'esprit qui était dans Christ, l'esprit de prophétie. Le problème, this is the thing. Qui serait les morts? T'as le péché les morts. Depuis, ou pas de Christ dans la vie ou sont morts, même l'on a marché. Léon moun vin prêcher l'évangile, c'est Jésus vin prêcher l'évangile. You guys not get it. Léon moun vin prêcher l'évangile, c'est Jésus même qui vin prêcher l'évangile. Vous pouvez comprendre? You still not get it. Les gens qui parlent de Christ dans la vie sont les gens qui mais même leur vivant. C'est ce que Jésus a dit, laissez les morts ensevelir leur mort. Il y a des bagages, vous ne comprenez pas, il y a des bassons. Laissez les morts ensevelir leur mort. Jésus est les gens qui ont fait un terme, les gens qui mourent aux morts. Parce que vous n'avez pas la vie dans vous. Vous n'avez pas Jésus dans la vie. Vous êtes dans le monde qui mourit. Mais vous vivant. Vous vivant selon la chair, mais vous mourit en esprit. Il y a des gens qui vivent selon la chair, mais ils mourent en esprit.
Tu as fait Jésus les gens qui t'a chanté des morts ou les morts. Qui t'es mort, on se veut les morts. Parce que c'est mort, oui. Et le pire, on va l'autre plus loin avec nous. On va le tuer nous net. On va plus loin avec nous. Terminé. La résurrection de Jésus, l'annonciateur de la première résurrection, les Jésus va venir, les Jésus vient de la première résurrection, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et à faire, moi, mes textes, ça dit les morts en Christ. Et pas tout le monde qui mourit en Christ. Les morts en Christ a reposé. A fait les morts en Christ, diable pas levé. Yo pas levé mon dieu. Comme mon dieu va levé. Parce que esprit mon dieu en Christ. Esprit mon dieu nommé Christ. Mon dieu va levé. Comme on va faire les villes. Bon l'esprit au nommé Christ. Comme on va faire levé mon dieu. Depuis ces moun, où est diable a gagné pouvoir sous lui pour le lever, pour faire le travail, il fait passer par la mort lever. M'a montré nous ça. Ou pas je me demande où gars pour qui raison les vont en mort son nous. Mais les moun mouri en zombie au prend moun. Même les moun dans vivant, ils mettent le camper dans le soleil. Pour quelle raison ils mettent moun dans camper dans le soleil? Pour eux ils mettent moun dans camper dans le soleil pour regarder pour eux. Si moun sa tombe. Le bay nou va konnen. Comme nous va konnen tout. An nou va konnen. Ah oui. Nous va konnen potans ko astral la tout. Nan vos doigts. Nous pas qu'on importance quoi astral là tout dans maçon. Nous pas qu'on importance bagage ça ou les fouiller les nèg maçon ça ou a faire spiritiste vieux bagage esprit ça ou m'a dit nous ça. Les forces astrales ou pas qu'on ça ça veut dire 12 zodiaques, les génies qui gouvernent les zodiaques yo. Nous pas qu'on ça. Nous pas qu'on pour raison les raisons pour non ou pas qu'on est guider esprit pas gain droit sur quoi ça. Ou pas qu'on est esprit malin démon yo qu'on pas gain droit sur quoi ça. Même l'homme mourit. Parce que quoi ça scellé pour le jour de la rédemption. L'homme mourit en Christ. Quoi ça? Que Dieu t'écrit à lui scellé pour le jour de la création. Parce que c'est avec nous pour le connaître ce qu'on appelle ou pas le revêtir d'un corps glorieux. Il n'y a pas de rien avec. C'est lui, oui, Jésus vient sauver. Ça, quoi ça? Et c'est lui même, tout ça attendait. You guys don't get it. Hein? You guys don't get it. T'aimerais dire l'autre jour. T'aimerais dire l'autre jour, peut-être pas comprendre. Pour qui raison vous c'est, pour qui raison vous c'était une bataille pour quoi Moïse? Et pas pour Moïse, nous t'étais une bataille là. Pour quoi Moïse? You guys don't get it. En pile nous beaucoup comprendre. Pour qui raison nous c'est, Michael t'a bataille avec Satan? T'a bataille avec Satan pour quoi Moïse? Pour quoi, pour le corps de Moïse? Ça va jamais intéresser nous, pour qui raison c'est pour quoi? L'esprit de Moïse, non, mais bon Dieu. L'esprit de Moïse, non, mais Dieu. Mais bon bataille qu'a fait pour véhicule là. Bon bataille qu'a fait pour quoi Moïse? Vous pouvez comprendre ça, ça veut dire? Ça veut dire que Moïse t'est péché. Satan par contre si Moïse m'a dit pardon. Satan par contre si Moïse m'a dit pardon. Qui compte mon Dieu condamné le péché? Bon Dieu condamne le péché de la chair. Ah oui. Si bon Dieu condamne le péché de la chair, qui est-ce qui pense le pouvoir sur la chair? C'est Satan. Automatiquement, bon Dieu condamne le péché de la chair. Moïse péché. Satan pense le pouvoir sous quoi? Et après, il vient réclamer quoi? Il vient réclamer quoi? Quoi pour lui? Parce que Moïse péché. Et bon Dieu dit le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu condamne le péché de la chair. Mais Satan vient pour nous. Satan vient d'ailleurs quoi? Mais il y a un problème, Satan n'est pas bien. Satan pas contre si Moïse. T'es. M'a dit pardon.
la bataille la Marie, Satan vient prendre col. Et là, Satan vient prendre col, comme ça, il vient. Ah oui! Il vient prendre créa, il vient prendre, parce que c'est pas mon, c'est mon, j'ai créé quoi? Et Satan besoin de quoi? Pourquoi? C'est ça, c'est un message qui prend le bataille pour bataille à Magidon. Non, là, on parle de le bataille, et la bataille d'Amagidon, la dernière bataille d'Amagidon, c'est lui, c'est un message. Satan besoin quoi? Satan besoin de ces bagages. Ou pas, un peu qu'on nous pense esprit, nous pense mauvais esprit, on pas besoin de corps pour y entrer, pour y fonctionner. Eh bien, et puis, y a, mauvais esprit, on pas besoin de corps. Ouais, mauvais esprit, c'est garé, ouais. On besoin de corps pour y habiter. Même si on voit votre corps est le temple de cet esprit, démon y'a d'un corps à tout. Démon y'a d'un. Pour opérer. Gédéon. Maintenant, y'a un nom pour nous apprendre qu'on est. Monsieur, moi, démon, j'ai pas de revenir quoi. Y'a des bagages qui aller plus loin avec nous. Pour nous dire pour qui raison. Dans la bataille pour comment ils ont. Michael obligé de dire que Satan, que l'éternel Dieu te réprime, Satan. Que l'éternel Dieu te réprime. Maintenant, l'on a parlé de vaccin. Il n'y a pas mal de la bête. Qu'est-ce que ça? N'importe qui a du vaccin, c'est mal de la bête. C'est dévié la dévié. Maintenant, il y a un bagage pour apprendre qu'on est. Ou capable, au moins, dit. Que vaccin, c'est une préparation mondiale. C'est une préparation mondiale. Il a préparé ou mentalement pour adhérer de quoi les bases sont venues pour le faire. Mais sous dit vaccin, c'est, non. Il y a plusieurs raisons qui veulent pas ça. Et la Bible pas n'a menti. La Bible claire. C'est ça. Abus clé tout ça. Maintenant, vous avez droit à abattre pour vous préparer mentalement. Parce que pas oublier. Qu'il y a une épidémie, une pandémie, qui tremblement de terre, vous créez une condition à préparer mental ou pour contrôler les ressources, pour vous avoir accès à une série de bagailles. Accès à travail, accès à manger, accès à voyager, accès à visa, accès à ceci, cela. C'est le contrôle des ressources. Qui pourrait permettre le contrôle de la population, c'est ça me dit au départ avec question économique, ou pas cacher, ou pas vendre. Maintenant, les nègres prennent contrôle aux ressources, ils prennent contrôle l'économie, ils contrôlent tout le bagage qu'on a pris, ils ont accès avec eux, ils sont obligés d'imposer. C'est ça qu'on va arriver. Là, maintenant, les arrivés dans le niveau ça, si ou pas le choix, ou pas le choix, c'est soit ou give up sous commande, bon Dieu. Qui dit c'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il y a des gens qui vont arriver plus loin. Il y a des gens qui vont nier Jésus même. Après Jésus dit si on nie sur la terre, on va dans le ciel. Il y a des gens qui vont arriver. Quand dit mon cher bagage Jésus, il a foutu de côté. Mais c'est bagage manger, bagage ceci, voilà. C'est quoi ça bagage là? Maintenant, il doit parler de questions contrôle population, ou il doit parler de questions contrôle population mondiale, whatever it is. Ça, peut-être, moi-même, pas beaucoup à jouer au monde à le prendre, ni tout m'a découragé au monde à le prendre. C'est qu'il faut lire son choix personnel, j'aime te dire au départ. Est-ce que nous comprenons, nous, la méthodologie? Est-ce que nous comprenons la méthodologie? Maintenant, me répondre à la question primordiale, c'est ce qu'on appelle la conclusion. La conclusion consiste à répondre à la question, à la problématique qui a été posée d'abord, au départ dans l'introduction, et puis après la définition des termes, nous sommes